sache.
Honorable Mr. President. Honorable Président. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous prie d'observer une minute de silence et de méditation comme à l'accoutumée. Thank you. Je vous remercie. Honorable members, honorable parlementaires, conformément aux dispositions de l'article 38.1 du règlement intérieur, il m'est agréable d'inviter nos honorables invités à faire leur entrée à l'hémicycle. Il s'agit de son Excellence Osama Majoub Hassan Dia, ambassadeur de la République du Soudan en Afrique du Sud. Mr. Cecilio Jesus. Monsieur Cecilio Jesus Mba Messiakele, spécialiste principal des politiques à la direction de la gestion des conflits, département des affaires politiques. Monsieur Calixte Daba, président de la communauté soudanaise du Hautain et représentant du groupe de solidarité avec le Soudan en Afrique du Sud. Le clerc. Monsieur le secrétaire général va présenter le premier point inscrit à l'ordre du jour. Veuillez m'excuser s'il vous plaît, je tiens également à inviter, selon les règles de l'art, son Excellence Bassam Eyousni, ambassadeur adjoint de l'ambassade de Palestine en Afrique du Sud. When Honorable Lorsque l'honorable Rajiv Vasif a prêté serment, il n'a pas bénéficié des honneurs dus à son rang et nous lui demandons à venir ici afin de recevoir les honneurs qui lui sont dus. Veuillez vous diriger vers la table d'honneur, honorable.
Honorable members, honorable parlementaire, chers collègues, je voudrais maintenant inviter Son Excellence Osama Majoub Hassan Dira, ambassadeur de la République du Soudan en Afrique du Sud, à faire sa déclaration. Before his presentation, just want to announce. Avant son intervention, je voudrais faire cette annonce. En l'honneur des Soudanais, je suis habillé à la soudanaise. Monsieur le Président, cette tenue vous va comme un gant. Ma'ali Seyd. Monsieur le Président du Parlement panafricain, Monsieur Chourumbera, Monsieur le Vice-président et membre du bureau, Mesdames et Messieurs, Mesdemoiselles parlementaires, Messieurs les participants, chacun selon ses grades, que la paix de Dieu soit sur vous. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre des salutations et des hommages à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la journée de l'Afrique, c'est-à-dire la commémoration de la création de cette organisation qui nous réunit tous, nous, dans ce continent africain. Et nous sommes tous heureux et nous sommes fiers de son développement et de son évolution jour après jour. Il y a le Parlement africain qui a été créé et qui est la conscience du continent africain. Et à travers donc ces délibérations et ces discussions, le Parlement s'impose et représenté par son président, M. Chourumbera, et l'honorable bureau, ainsi que le secrétariat général du Parlement. Et nous, dans la communauté des ambassadeurs et des hauts commissaires des pays africains, nous sommes témoins de ces efforts déployés par le Parlement. Et nous saluons donc les dirigeants du Parlement et nous les encourageons à poursuivre leur action ô combien positive. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables députés, vous êtes donc dans la 6e législature et vous continuez à travailler afin d'assurer l'évolution et la renaissance du continent africain. Il n'y a point de doute que aujourd'hui, vous, membres du Parlement, vous accueillez les membres du Parlement du Soudan, et ce, en solidarité avec les conditions que nous vivons à travers cette période de transition. Et vous savez que le Soudan a toujours participé et contribué au travail du Parlement. Le Parlement soudanais est un Parlement très ancien, et je vous dis que c'est le premier Parlement qui a été élu en 1950, avant la sortie du colonisateur, nous avons déjà eu notre parlement au Soudan. Nous voulons bénéficier de votre assistance afin que le Parlement soudanais puisse retrouver son rôle. Vous avez participé à l'examen des questions de paix en Afrique, notamment hier, et cela traduit l'intérêt que vous accordez à ce que le Soudan est en train de vivre, surtout qu'il y a eu une révolution de ce qu'on appelle les forces de puits, qui a déclaré la guerre à l'État et qui s'est engagé dans des actions périlleuses. Et ce, pour faire tomber le pouvoir au Soudan. Et cela a provoqué
Cela a porté, donc, cela a poussé l'armée soudanaise à résister, qui a milité pour la protection de l'unité, de l'intégrité territoriale du Soudan, et ce, en vertu de ses engagements constitutionnels. L'armée fait tout pour défendre la patrie. Nous remercions le président du Parlement africain ainsi pour son action continue pour contenir et endiguer les crises, surtout ces crises qui menacent le continent et qui l'empêchent de continuer à poursuivre l'action de développement. Vous avez publié, Monsieur le Président, une déclaration dès le déclenchement du conflit au Soudan et vous avez invité toutes les parties à faire preuve de ce geste et à mettre fin à la tuerie. Et cela ne fait que traduire l'intérêt que vous avez, l'intérêt de faire taire toutes les armes en Afrique, notamment pour régler tous les conflits. Nous avons dit que le Parlement a pu, nous avons fourni toutes les informations nécessaires au Parlement. Et nous avons également parlé de l'action du force rebelle qui ne fait que des pratiques immorales au Soudan. Mais en même temps, cette rébellion n'a fait qu'unir la nation soudanaise qui s'est élevée comme un seul homme pour faire face à la rébellion. Et ce, afin de créer un avenir brillant pour le Soudan, surtout le Soudan qui dispose de ressources humaines et de ressources financières. Et le peuple soudanais a une longue expérience politique et pour faire face à de telles situations. Monsieur est membre du Parlement africain. Nous avons de présenter un document sur l'évolution de la situation au Soudan. C'est un document en langue anglaise et nous voulons que cela soit adopté. Et je demande donc à cette session de considérer ce document comme étant l'un des documents de cette session. Donc tout le monde doit se l'approprier pour savoir ce qui se passe au Soudan. Je profite de cette situation pour faire la lumière sur le contenu de ce document. Tout d'abord, nous avons parlé du contenu, de l'action des forces d'appui qui a des moyens militaires et qui fait tout pour essayer de saper l'intérêt du Soudan et l'intérêt de la région. Ces forces ont été créées au cours de cette période et qui a pu bénéficier qui a pu profiter de la situation également, de la situation compliquée que vit le Soudan dans cette période de transition. Deuxièmement, l'État du Soudan a fait face à ses forces d'appui rapide depuis sa création et depuis le déclenchement de la guerre. Et cette rébellion est considérée par le Soudan comme étant des forces rebelles et a demandé sa dissolution et la démobilisation de ses membres. Et le Soudan est également s'est engagé à pardonner ceux qui déposent les armes. Et nous avons proposé de désigner M. Malik Agadir comme vice-président du Conseil de la Souveraineté. Il y a d'autres décisions et d'autres dispositions qui ont été prises pour que ces gens soient intégrés dans les différentes actions. Troisièmement, nous avons également ce qu'a dit M. Khalid Zahab et ce que les questions ont dit. Est-ce qu'on peut demander à l'orateur de parler un peu plus lentement parce qu'il est trop rapide et nous n'avons pas le document avec nous. Et nous avons dit que ces forces rebelles ne font que de violer les textes, de violer la loi. Il est trop rapide à notre goût. Yes, thank you. For interpretation. Je vous remercie pour votre intérêt et d'avoir attiré mon attention. Troisièmement, je disais que nous avons dû présenter hier ce qu'a dit M. Khalid Dahab, représentant de la communauté soudanaise, sur les atrocités et les violations et la destruction systématique
des biens des populations soudanaises ainsi que des biens publics. Et cela a été mentionné dans la communication que j'ai mue dans le document. Notamment, il y a eu le déploiement rapide de ces forces après avoir été chassées de tous les camps. Ces forces se sont dispersées et ils ont perdu donc le contrôle. Ils ont commencé à faire tout ce qui est négatif, notamment le pillage et la destruction systématique des biens publics et privés, et également l'intimidation des populations en occupant leurs maisons et en les expulsant même de leurs propres maisons. Ces forces de rébellion ont pris une vingtaine d'hôpitaux comme étant des bases dont ces hôpitaux ont été utilisés pour des bases pour les forces de rébellion. Et cela n'a fait que paralyser la vie dans plusieurs parties du Soudan et dans d'autres villes. Et même si ça a été un peu moindre par rapport à la capitale, le Soudan est un pays très très grand du point de vue. Il dispose 18 wilayas, c'est-à-dire districts ou régions. Peut-être vous suivez avec nous à travers les médias ce qui se fait au Soudan et nous n'avons pas besoin de faire un étalage très long. Il y a aussi, même les diplomates n'ont pas été épargnés, notamment leurs biens et les biens des résidents qui vivent au Soudan. Donc cela a fait que beaucoup de pays ont évacué les ressortissants et cela a été fait en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et notre armée nationale. Nous avons évacué toutes les communautés étrangères ainsi que les ressortissants et ceux qui travaillent dans les organisations internationales et dans les missions diplomatiques. J'étais coordonnateur de tous les efforts consistant à évacuer les ressortissants de l'Afrique du Sud et des autres pays. Et j'ai coordonné avec le ministère des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud afin que ces puissent retrouver leur famille dans la paix et la sécurité. Moi, personnellement, j'ai assisté avec Madame la ministre, le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. J'ai participé à l'accueil des personnes ressortissantes de l'Afrique du Sud qui ont été évacuées. Quatrièmement, l'association humanitaire s'est aggravée à cause des atrocités de la part des forces de rebelles. Et cela a fait donc que le Soudan a mis en place un plan humanitaire en coopération avec les États-Unis et les organisations internationales, ainsi que les autres initiatives heureuses afin que de venir en aide aux personnes. Il y a eu l'initiative du secrétaire général de l'ONU, et que l'initiative a été bien accueillie par le Soudan qui s'est engagé pour mettre fin à cette guerre. Il y a également l'action de l'UEA, de la Ligue arabe, de l'ICAD. Et donc, nous avons abouti à une initiative sous la supervision du Royaume d'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique afin de faire leur médiation pour mettre fin à la guerre et de régler les problèmes humanitaires. Et cela a abouti à la signature de la déclaration de Jeddah le 11 mai en courant. Après, il y a eu l'accord de cesser le feu et des dispositions humanitaires de 7 jours afin que cela puisse permettre de relever tous les défis et d'aider les populations en souffrance. Et il y a eu donc ce cessez-le-feu de 7 jours et nous sommes toujours engagés à le respecter pour les questions humanitaires. Monsieur le ministre, monsieur le participant, il y aura beaucoup de détails dans le document que nous avons envoyé et vous nous demandons à bien vouloir le lire. Je voudrais donc tirer des conclusions alors que vous suivez ce qui se passe chez nous. Pour résumer, la situation tragique consécutive à ce conflit et qui a été déclenchée par les forces d'appui rapide, cela a montré que le gouvernement du Soudan
bien qu'il considère cette rébellion comme étant une question interne au Soudan, et bien qu'elle soit consciente que l'armée puisse faire face, nous voulons qu'il y ait des actions pour mettre fin à cette action afin que le Parlement africain et les autres puissent continuer à nous apporter leur appui nécessaire pour mettre fin rapidement à cette guerre, et ce, en passant par la condamnation des personnes qui sont à l'origine de ce conflit. Le Parlement peut également prendre des initiatives qu'il jugerait nécessaires pour rejeter la guerre et examiner ses causes profondes ainsi que les situations humanitaires qui découlent de cette situation. Le Soudan s'est adressé à la communauté internationale dans ce sens, afin qu'on puisse commencer à la restitution et la réhabilitation, et également au lancement de processus de paix auquel tout le monde doit contribuer. Il doit contribuer afin que le Soudan puisse dépasser cette situation très difficile. Il faudrait également faire en sorte qu'on ne recourt pas à l'armée pour régler les problèmes. Il faut également nous aider à régler les problèmes de développement et à la construction des infrastructures. Messieurs les parlementaires, il y a des changements profonds et il y a des tentatives. Il y a des tentatives donc pour mettre le Soudan à genoux. Donc, je pense que ce conflit, bien qu'il s'agisse d'un conflit soudano-soudanais, mais à cause de ses répercussions au plan régional et à cause des menaces à la sécurité, tout le monde doit tout faire pour que soient contenues donc toutes les répercussions qui pourront découler de ce conflit. D'autre part, cette crise profonde a montré que le Soudan est un pays solidaire pour faire face à toutes les répercussions de ce conflit. Les Soudanais sont solidaires avec beaucoup de détermination pour faire face à toute situation de cette nature. Nous avons également confiance et nous sommes convaincus que le peuple soudanais va tout faire afin que cette épreuve soit transformée en un don de Dieu pour nous permettre de sortir de cette guerre beaucoup plus fort et beaucoup plus à l'aise par rapport au passé. Donc il faudrait régler ce problème et que le peuple soudanais le Soudan pour dire est fier d'appartenir à l'Afrique, et nous sommes heureux de participer à l'édification de l'Afrique à travers la Ligue arabe, l'IGAD et l'Union africaine pour mettre fin à cette guerre. Nous voulons relever tous les défis afin de parvenir à un gouvernement de transition qui satisfasse tout le monde, afin que le Soudan puisse parvenir à une gouvernance démocratique et rationnelle. Je saisis cette occasion pour vous adresser mes remerciements. Mes remerciements au Parlement africain et à ses parlementaires, et ce pour l'intérêt que vous accordez à ce qui se passe au Soudan. Nous voulons vous appeler à continuer à vous intéresser à ce qui se passe au Soudan et à comprendre le dynamisme, la dynamique de la politique ainsi que les principaux acteurs politiques au Soudan. Nous vous remercions pour votre assistance et votre assistance continue au peuple soudanais. Vous n'avez jamais hésité à nous aider, tout comme le font les frères arabes. Cela traduit que vous savez donc que le peuple soudanais joue un rôle important et a joué par le passé un rôle important pour aider les mouvements de libération et également à aider à régler tous les problèmes et toutes les guerres. Le Soudan a toujours ouvert ses portes pour accueillir tous les réfugiés et déportés qui fuient leur pays, qui fuient les conflits pour venir au Soudan. Je remercie spécialement tous les pays voisins qui ont ouvert leurs portes pour accueillir, notamment la République arabe d'Égypte, qui a eu la part du lion en ce qui concerne l'assistance apportée au peuple soudanais, en ce qui concerne l'accueil des Soudanais
qui se sont rendus en Égypte. Nous remercions pour tous les efforts qu'elle a déployés. Et également, nous remercions le Soudan du Sud. Nous remercions également nos voisins à l'ouest. Et je parlais de la Libye qui a tout apporté, tout ce comme également la République de l'Afrique centrafricaine. Nous remercions également l'Afrique du Sud, le pays d'accueil qui ne fait que continuer à suivre l'évolution de la situation et qui fait tout pour aider le Soudan avec beaucoup de sérieux afin de traverser les défis de la transition. Je remercie la communauté des ambassadeurs pour l'assistance apportée au Soudan et je réitère ma demande, donc de bien vouloir vous approprier le résumé que j'ai envoyé en anglais au président du Parlement et de le considérer comme étant l'un des documents sortant de cette session et que ce document soit traduit dans les autres langues et le distribuer à tous les membres. Mesdames et messieurs, avant de finir, et comme je l'ai dit au début de mon intervention, les parlementaires soudanais, face aux défis de la période de transition, je voudrais vous dire que le peuple soudanien compte sur vous pour l'aider, pour aider les parlementaires. Et vous savez qu'il y a des dangers qui menacent le Soudan à travers cette guerre. Nous vous demandons donc d'assister le peuple soudanais à travers l'action noble que vous menez. Au nom du peuple soudanais, je vous demande de prendre toujours, de dire que le Soudan est reconnaissant de la position noble que vous prenez et que l'histoire va retenir. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Nous aussi, nous nous remercions pour la vitesse trop rapide de cette intervention. Thank you. Je vous remercie. Veuillez applaudir une fois de plus Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur du Soudan. Nous sommes en train d'aborder la thématique de conflit, de la paix et de la sécurité. Nous avons un frère que nous avons présenté et qui a demandé d'intervenir pendant 2 minutes. Et lorsque nous allons débattre du dossier soudanais, nous allons également nous pencher sur la question de la Palestine. J'invite donc l'ambassadeur adjoint de Palestine, qui sera très bref, à prendre la parole. Je suis là au nom de l'ambassade palestinienne et qui devait être là, mais il a eu un malaise, donc il n'a pas pu venir. Donc tout d'abord, je remercie le président du PAP pour sa compréhension et pour nous avoir donné l'opportunité d'intervenir en l'absence de l'ambassadeur. Excellence, Monsieur Florentin Charme, président du PAP, Excellence, Monsieur le vice-président, Excellence, membres du Parlement, honorables invités, que le salut de Dieu soit sur vous. Bonjour. Avec fierté que je m'adresse à vous à partir de cette tribune et qui pourrait exprimer la conscience de l'Afrique en commémoration de la journée de l'Afrique. Je vous transmets les salutations de notre peuple et de M. le Président Mahmoud Abbas, président de l'État palestinien, Wahid Fettouh, président de l'Assemblée nationale palestinienne. Permettez-moi de vous dire que ma fierté de relations basées sur le partenariat militant entre les différents peuples africains et pour célébrer la mémoire de Yasser Arafat, ainsi que toutes les relations qui nous unissent avec les différents peuples. Honorables invités, 75 ans depuis la Nekba, la catastrophe que nous commémorons chaque année, le 15 mai de chaque année, le déclenchement de la révolution palestinienne et sur laquelle
a été créée la première historique avec la plus ancienne ville du monde, alors que Israël a, depuis 1948, avec le soutien des grandes puissances, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont occupé nos territoires avec la déclaration du ministre Belfort en 1917, qui avait promis à établir un État israélien. Suite à la déclaration, 40% du peuple palestinien ont été déplacés et détruits. 575 villages et 50 massacres ont été commis. L'occupation de 78% du territoire de l'époque. Et la catastrophe continue quotidiennement à travers des politiques de destruction des biens et des personnes en ciblant les communautés avec les arrestations quotidiennes et le blocus inhumain imposé à Gaza, et la guerre continue contre les civils. Les pratiques barbares de l'occupation exercée en Cisjordanie. Israël, depuis le début de cette année, plus de 160 Palestiniens ont été tués. Excellences, honorables invités, la lutte de notre pays contre la ségrégation, le racisme et la lutte pour le recouvrement de notre droit palestinien. C'est un conflit qui n'est pas religieux entre les musulmans et les judaïques, mais contre les sionistes, parce que les musulmans palestiniens, les chrétiens et les juifs palestiniens sont contre cette politique qui touche tous les lieux et les cultes des différentes religions. Des actes barbares ont été commis contre les temples pendant le Ramadan passé, portant atteinte à des vies humaines, à des personnes palestiniennes des différentes confessions, en les empêchant d'aller aux différents lieux de culte à Bethléem, etc. Excellence, le chef de l'État palestinien, lors de son intervention de la commémoration de la Nations Unies de la 75e anniversaire de la Nakba, plus de 1000 résolutions des Nations Unies du Conseil de sécurité ont été émises sur la Palestine depuis 1948, mais aucune d'entre elles n'ont été appliquées, appelant à la libération de la Palestine et à la aux sanctions imposées contre Israël. À partir de cette tribune, je prends acte des déclarations de Human Rights et l'Organisation des droits de l'homme israélienne qui est contre la politique d'apartheid. La politique appliquée par les Israéliens est une politique apartheid contre ses propres citoyens et les Palestiniens. Je rends hommage à l'arrêt de la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud en condamnant Israël pour ses pratiques ségrégationnistes. Le président du Conseil national passionné l'année dernière, qui avait adressé son appel à partir de cette tribune pour demander à suivre l'évolution de la cause palestinienne et les inscrire dans les différentes sessions, l'invitation de l'ambassadeur palestinien pour discuter de la question palestinienne durant les commissions spécialisées, notamment celle des relations internationales de la jeunesse. Nous vous invitons à visiter la Palestine pour constater de visu les politiques apartheid perpétrées par le système israélien et soutenir la lutte du peuple palestinien et faire régner la paix et la sécurité en vous souhaitant plein de réussite. Merci beaucoup encore une fois pour m'avoir donné la parole et que le salut de Dieu soit sur vous. Thank you. Merci.
notre frère camarade, Babassan El-Sini, honorable membre. J'ai la liste de 31 députés qui ont demandé la parole. On accorde d'habitude 3 minutes et si on le fait, ça va nous prendre, nous amener jusqu'à 12 ans moins le quart. Mais je vous demanderai de préparer votre contribution pour que ça ne puisse pas aller au-delà de 3 minutes. Si vous allez au-delà de 3 minutes, le micro sera coupé et on ne va pas vous accorder donc un temps supplémentaire. Si on le fait pour 31 interventions, cela va nous amener à 13 heures. Donc veuillez préparer déjà vos interventions. Et la première personne qui va prendre la parole, c'est honorable Victoria Kingston du Malawi. Merci beaucoup, Excellence et honorable député. J'ai soumis mon nom hier quand je voulais contribuer à la commémoration de la Journée de l'Afrique. Merci. La Journée de l'Afrique, donc pour la Journée de l'Afrique, on a donc débattu hier. C'était pour hier, c'était la motion d'hier. Honorable Souleymane Sahou. Il est là. Merci, Excellence. Merci pour aux orateurs. Honorable Président, la situation au Soudan est une situation préoccupante. Et je crois, en tant qu'Africain, nous devons travailler ensemble pour condamner les actes, ces actes, parce qu'il y a une violation flagrante des droits humains. Et il y a eu des abus perpétrés contre les femmes et les enfants. Donc, à ce Parlement, nous allons donc soutenir fortement le Soudan dans la lutte contre l'injustice et la guerre qui est donc en cours pour le moment. Merci. Merci pour avoir été très concis. Honorable Alberto Costa Jr. de l'Angola. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas voulu intervenir sur la question du Soudan. Je m'excuse, Monsieur le Président. Je voudrais dire que je n'ai pas donc soumis mon nom pour parler sur la question du Soudan. Je voulais intervenir hier. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion. Et donc, comme nous avons maintenant l'occasion d'intervenir, je vais en fait ne pas intervenir. Je ne peux pas intervenir pour ne pas abuser de ce temps. J'ai l'impression que c'est toute la liste. Non, mais je vais encore aller de l'avant. Un peu de clarification. Ce débat commence à partir de la présentation sur la paix et la sécurité, la présentation d'hier après-midi. Et maintenant, c'est donc sur le Soudan. Et la Palestine, ce sont les mêmes questions, ces questions de conflit, paix et sécurité. Je vous remercie. Honorable Salek Adraman Moussa de Sahraoui. Président, pour m'avoir donné la parole, Monsieur le Président, la question du Soudan et ce qui se déroule actuellement est vraiment très regrettable en tant qu'Africain. Et nous souhaitons que l'Union africaine assume ses responsabilités dans ce cadre. Et
et que les forces étrangères et occidentales ne soient pas celles qui assumeraient les charges de cette question et de la solution du Soudan. Parce que l'Occident, bien sûr, il est source de toutes nos problème, et c'est lui qui cause ces conflits. Monsieur le Président, honorable parlementaire, nous, en République arabe sahraoui démocratique, nous avons une expérience que nous vivons. C'est que l'Afrique n'a pas assumé ses responsabilités dans la solution à apporter au Sahara occidental. Et le problème a été soumis donc aux Nations Unies. Et ça fait ressortir une faiblesse des dirigeants africains. C'est pourquoi que cette faiblesse ne doit pas se reproduire et de ne pas laisser l'étranger intervenir et s'ingérer dans nos affaires internes. Et que la solution aux problèmes africains soit des solutions africaines. Les dirigeants africains sont ceux qui doivent être en mesure de rechercher d'abord les causes des crises et rechercher les solutions que rencontre le continent africain. Merci pour votre aimable attention. Thank you. Honorable Sinia Ahmed Na, Mrs. Sahraoui. Shukran l'akh Raïs. Merci, Monsieur le Président. Je me suis inscrite hier pour intervenir au débat de la question relevant de la paix et de la sécurité. Et j'estime aujourd'hui que le représentant de la commission de paix et de sécurité est absent. Et pour connaître mes positions par rapport à la question de Palestine et du Soudan, je présente une observation. C'est que le problème de la paix et de sécurité doit vraiment être pris au sérieux. Et bien sûr, je conteste la marginalisation de ce problème et l'absence de ceux qui sont concernés de la cause. Depuis hier, le commissionnaire a interrompu les débats avant terme. Et ceci constitue pour nous, ne pas accorder d'importance à cette question. Par contre, maintenant, au nom de la République arabe sahraoui démocratique et son Parlement, j'exprime toute ma solidarité avec le Soudan et avec le pouvoir légitime au Soudan. Et je réclame et je demande à toutes les instances de l'Union africaine de se mettre aux côtés de l'État soudanais et de son peuple frère et contribuer à trouver une solution et ne pas abandonner le Soudan à laisser seul devant l'ingérence étrangère. Il appartient à toutes les forces africaines d'intervenir avec force pour trouver un règlement au conflit et être aux côtés du peuple soudanais devant cette crise et de solidariser également avec le peuple palestinien et de sa lutte. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you. Merci. Honorable Rodrigue Samou Kumbaniwa. Merci, il n'est pas présent. Honorable Moussana Eric de l'Ouganda. Il n'est pas présent. Honorable Youssef Mohamed Al-Fakri, la Libye. Yes. Bonjour. Salutations matinales. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir donné l'opportunité d'intervenir. Et mes remerciements également à tous ceux qui veulent la tenue de cette rencontre. J'ai demandé ma parole, à prendre la parole hier concernant le Conseil de paix et de sécurité. Malheureusement, le représentant n'est pas là pour discuter ce qui a été présenté comme exposé hier. La question d'aujourd'hui est celle du Soudan et de la Palestine. Moi,
moralement et humainement, je suis appelé à parler de ces deux questions, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier l'ambassadeur soudanais, le représentant de la communauté soudanaise en Afrique du Sud, pour toutes les remarques et les observations qu'il a présentées, et invite le pape et les institutions de l'Union africaine d'agir efficacement pour sauver le peuple palestinien. Je vais parler particulièrement du Soudan, parce que nous sommes une partie intégrante du Soudan et nous voulons soutenir sa cause. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je voudrais que le pape et l'Union africaine, de manière générale, d'apporter son soutien et son aide au Soudan. En Libye, nous avons vécu et souffert de l'absence de l'Union africaine de la période de 2011. Et nous ne voulons pas que cette expérience puisse se reproduire. Je réaffirme, Monsieur le Président, que nous sommes appelés aujourd'hui, dans notre rôle de parlementaire, de faire pression sur les institutions continentales pour adopter la question soudanaise et lui apporter le soutien. Quant à la question palestinienne, nous, en tant qu'Arabes, nous disons que c'est la blessure de tous les Arabes. C'est la question qui est devenue actuellement une question du monde entier. J'espère, Monsieur le Président, réaffirmer encore une fois d'appuyer la proposition de l'ambassade de Palestine, c'est qu'il y ait une parole qui soit spécialement dédié à l'ambassade et que le sujet soit également consacré lors de commissions spécialisées. Merci. Thank you. Merci. Honorable Nsamba Oshabe Patrick. Merci, Monsieur le Président. Je suis de l'Ouganda. Monsieur le Président, malheureusement que nous sommes ici en train de discuter des questions de la guerre au Soudan et ainsi que d'autres, ce qui se passe dans d'autres pays, je m'attendais à ce que l'ambassadeur du Soudan puisse aller dans le détail sur ce que l'Union africaine est en train de faire sur le conflit. Compte tenu de sa présentation, on peut déduire qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas trouvé de réponse sur ce que l'organisation continentale est en train de faire quand un conflit comme celui-là éclate. Monsieur le Président, toute l'Afrique connaît des situations de paix fragiles à cause des manques de gestion des institutions qui sont fragilisées dans nos pays. Et quand on examine la manière dont on réagit, on est en train de faire le sapeur-pompier parce que quelque chose est arrivé, mais on n'a pas d'institution qui peut veiller à la paix de manière durable sur le continent. Monsieur le Président, nous sommes en train de témoigner des situations où l'Union africaine doit au moins être en même d'intervenir avec les alertes, les systèmes d'alerte précoces dans chaque pays où les conflits peuvent éclater pour faire le suivi. Nous avons en fait des abus de droits humains sur le continent perpétrés par le gouvernement. Nous avons des élections truquées. Ça, c'est des sources de guerre. Nous avons des gouvernements qui ont choisi de se départir de la démocratie et les gens voudraient vivre donc en tant que président à vie. Ça, c'est pratiquement une recette de la guerre. Nous avons les chômages en Afrique. Quand on examine cela, nous avons des conflits tribaux. Ces signes d'alerte précoce doivent être abordés par l'Union africaine. Il ne faut pas qu'ils attendent que la guerre éclate. Il faut avoir une organisation continentale qui peut gérer ces situations de conflit avant que ça puisse éclater en guerre. Est-ce qu'il faut attendre la guerre pour voir ou pour réagir ou riposter? Le Parlement panafricain, à mon avis, doit demander. Le micro est coupé.
Je pense que le Parlement panafricain doit en fait jouer le rôle pour donner le rapport sur le rapport qui sont mis sur pied pour traiter des questions de situation d'alerte précoce dans chaque pays, au lieu d'attendre donc à la, d'entrer dans une situation comme le Soudan pour se lamenter quand on ne peut rien faire sur la situation de guerre. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable Samba Patrick. Maintenant, j'invite honorable Saïd Brahim Saïd. Sahraoui. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir donné l'opportunité d'intervenir. Je m'étais inscrit depuis hier sur les réponses à donner sur le rapport de la paix et sécurité qui a été présenté devant notre auguste Parlement. Monsieur le Président, je voudrais inscrire ma réserve quant à la négligence du Conseil de paix et de sécurité à préparer et à présenter son rapport de manière qui puisse respecter notre Parlement. Ce Parlement, parmi ses priorités, c'est la question de paix et de sécurité, du fait que c'est un phénomène ou un facteur qui a trait à l'avenir du continent, à la paix et la stabilité. Si ce rapport s'avère diminué ou présenté par un technicien, parce que il s'est présenté comme étant un technicien qui ne pouvait pas répondre à des questions de paix et de sécurité qui soient posées lors de ce Parlement. Donc, si on n'arrive pas à répondre aux questions, il ne faut pas qu'on se présente dans ce cas. On doit avoir des gens face à nous qui puissent répondre aux préoccupations des parlementaires. Si on ne peut pas répondre d'une manière ou d'une autre, ceci constitue un irrespect à notre Parlement. Je demanderai au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine d'envoyer le commissaire de paix et de sécurité pour débattre de cette question de paix et de sécurité avec sérieux et d'écouter les préoccupations des parlementaires et de leurs questions et pour y répondre. C'est pourquoi nous voulons poser maintenant la question, premièrement, concernant le conflit du Sahara. Pourquoi la Troïka n'a pas été donc mise en œuvre par l'Union africaine? Et pourquoi le sujet dont il parle, il le traite comme si c'était une question des Nations Unies, pas de l'Union africaine? Nous avons mis en œuvre les décisions prises en 2020 à Johannesburg sur le sommet du silence des armes concernant les parties au conflit, c'est-à-dire la République arabe sahraoui démocratique et le Royaume-Uni, du fait qu'ils soient membres tous les deux de l'Union africaine. Et où se situe le bureau de l'Union africaine qui était à La Haye a été fermé? Pourquoi ce bureau est fermé, qui lui fait partie de la décolonisation et qui facilite la mission de la MINURSO? Il a été fermé dans cette région. Pourquoi? Ce sont des questions que nous posons et pour lesquelles nous voulons des réponses par le commissaire de paix et de sécurité ou son représentant. S'agissant maintenant de la question du Soudan. Le Soudan est un pays africain authentique, un peuple bon. Le Soudan a enregistré beaucoup de bonnes positions au profit de ce continent et de ce peuple. C'est pourquoi, à partir de cette tribune, nous exprimons notre solidarité et notre soutien absolu à l'État et au peuple et à la souveraineté du Soudan, pays frère. Nous demandons à l'Union africaine de mener tous les efforts pour sauvegarder l'unité et la souveraineté du pays frère Soudan. Nous invitons au soutien à tout ce qui a été présenté par l'ambassadeur du Soudan ici et nous adressons également nos remerciements, notre soutien, notre solidarité au peuple soudanais pays frère et à tous les peuples africains qui souffrent.
Nous appuyons la lutte du peuple palestinien légitime, les droits palestiniens légitimes, le droit du peuple palestinien à son État indépendant avec comme capitale Jérusalem. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Merci, honorable Abiy Samata de la Somalie. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais donner quelques observations sur le Soudan et la Palestine. L'Union africaine et ce Parlement ont toujours réagi aux crises donc de manière à ce que ça soit considéré comme une réaction. Hier, on a parlé de la sécurité et on a parlé de cette question de manière systématique. Une description de ce qui s'est passé, c'est tout ce qu'on a fait. Il n'y avait pas d'évaluation profonde d'où on demande ce qu'on doit faire au niveau de ce Parlement ou de l'Union de l'Union africaine, compte tenu de nos capacités très limitées. Je vais dire quelque chose sur le Soudan. Donc, en tant que Somalien, je sais ce que les peuples de Khartoum sont en train de connaître. Si on ne peut pas, en fait, aborder cette question urgemment, on attendra donc 30 à 40 ans pour résoudre ce problème. Donc, je lance un appel au peuple africain pour soutenir Khartoum. Parce que si Khartoum est stabilisé immédiatement, donc le reste du pays peut être pratiquement connaître la situation normale. Donc on demande au peuple africain d'intervenir pour soutenir le peuple de Khartoum qui a été pratiquement traumatisé. Oui, quand il y a des partis en conflit. Et comme vous savez, les deux ne sont pas dans l'aspect démocratique. J'espère que l'Union africaine et ce Parlement devraient prendre des mesures, faire de sorte qu'on puisse avoir un Premier ministre qui était là civil, qui a été forcé d'aller à l'exil. Ceci va enclencher le processus de la réconciliation entre les différentes parties dans ce grand pays tant aimé et très grand. Concernant le peuple palestinien, nous avons évidemment senti votre douleur pendant des décennies. Il y avait un livre intitulé « 100 ans de guerre ». Eh bien, le peuple palestinien, évidemment, subit évidemment une guerre de plus de 100 ans et qui perdure toujours. Nous exprimons vraiment, évidemment, ce Parlement qui prend bien note de la Palestine en tant qu'un pays souverain. Mais nous ne sommes pas tellement efficaces à mes frères palestiniens. J'aimerais dire ceci, qu'il y a beaucoup de travail qui reste à faire, que le gouvernement palestinien devrait donc évidemment s'atteler, comme ça a été à l'accoutumé, une incompétence très claire de la part du gouvernement palestinien, et le peuple palestinien est en train de payer un lourd tribut. Il faut donc jeter donc un regard sur cela. Je vais alors maintenant demander l'honorable Azeline Aboulla Majid. Azdine. Elle n'est pas du tout dans cet hémicycle. Elle n'est pas présente. Honorable Evaristus Ndim Diong du Cameroun. Honorable Evaristus Ndim Diong du Cameroun. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Avec ce peu de temps qui m'a accordé, de prime abord, il a été indiqué ici un point pertinent. Oui, nous avons évidemment écouté le Conseil de sécurité, vous n'étiez pas là. Et on a demandé qu'on ne se faisait pas, c'était une insulte à cet hémicycle. Oui, si le commissaire était ici, on n'a jamais pu annoncer que le représentant du commissaire paix et sécurité qui était ici hier est ici présent. Il est présent. Oui, non,
et il a dit qu'il ne pouvait pas parler au nom du CPS, non. Et il a dit qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire, il était là tout en prison. Nous voulons, monsieur le président, comme résolution, que le commissaire voudrait bien venir ici. Oui, nous sommes en train de parler de la rhétorique, on parle du financement du Soudan, de l'Afrique, ma sous-région, évidemment, de l'Afrique de centrale, et des Grands Lacs, pour être, savoir quelle est la structure de comprendre, est-ce qu'il y a vraiment une crise? Est-ce qu'il y a une décision pour faire face à ce conflit? Comment se regrouper? Qui va procéder au rassemblement? De bien comprendre, évidemment, dans le contexte africain, qu'il y a quand même une solution qui doit être prise. On doit être de ceux qui devaient être le socle de tout débat. Et c'est évidemment rester évidemment, dans la logique de la machine de résoudre cette crise, et ce, par les Africains. Alors, tous ceux qui viendront à notre rescousse viendront si il y a vraiment une formule très claire constituée, bien préparé, structuré par nous-mêmes, alors on va avancer. On ne va pas attendre l'Union européenne, encore d'autres pays qui vont venir à notre aide. Alors si nous avons évidemment déjà une base, une référence, par le biais donc de ces solutions, ces formules, et on ne va pas voir comment aller gestion de la situation humanitaire. On sait qu'il y a une structure qui existe, des actions humanitaires, encore des actions sociales et toute action peut-être militaire. Et ça me fait mal au cœur, vraiment, ma femme. Ma femme est commissaire de police qui a travaillé au Soudan pendant trois ans à Darfour. Et oui, et moi-même, j'ai eu quelques problèmes, quelques difficultés. Mon frère, qui est commissaire, qui a travaillé aussi au Soudan pendant longtemps. Monsieur le Président, il est donc d'importance qu'on puisse organiser une réunion spéciale avec la Commission de l'Union africaine par le biais, évidemment, de CPL. Le Soudan est un pays stratégique. La situation soudanaise, vous le savez bien, quand l'ambassadeur est intervenu ici, les Janjaoui ont évidemment envahi le nord du Cameroun et ont tué tous les éléphants. Et ils ont pris tout ce qui est là, et ça c'était pas normal, c'était pas acceptable. Les milliers d'éléphants ont été tués. Alors pourquoi vendre ces éléphants? Ils ont merci, 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 on va avancer. Honorable Sénateur Danson Mungatana, il n'est pas dans la chambre. Honorable Ashini Astin Titochik de l'Éthiopie. Merci, Monsieur le Président, m'avoir accordé cette opportunité de m'exprimer et d'exprimer ma solidarité à notre pays voisin et grand, le Soudan. Honorable Président, il est triste de bien remarquer que nos sœurs, nos frères du Soudan et dans cette crise difficile, cette situation de guerre en tant que pays qui, vous le savez, est un pays frère aussi où nous avons des sœurs. Nous savons très bien la douleur d'être sous une crise interne, des conflits internes dans le pays. En tant que député éthiopien, nous évidemment appuyons tout évidemment les moyens pacifiques pour arrêter la guerre au Soudan et s'assurer que la paix et la sécurité puissent prendre vraiment les droits là-bas au Soudan. L'Union évidemment européenne et l'Union africaine et autres, ils font des recherches pour voir quelles sont les questions sécuritaires. Et où nous sommes, nous, en tant que UA, l'UEI là-bas, et d'autres nations sont, où est le Parlement panafricain pendant cette période de crise? Que fait le Parlement panafricain? Comment on peut là observer ce grand pays qui est en train de s'effondrer? Alors comment on pourra agir, et ce d'une manière rapide, pour sauver la vie des civils au Soudan? Merci infiniment. Merci, et j'aimerais féliciter évidemment les députés. Vous êtes dans les clous du temps. Félicitations. Honorable Amina Idriss, Amina Tidiani. Infiniment merci, Excellence.
Honorable Emina Idriss du Tchad, je suis évidemment vice-présidente commission permanente transport. J'aimerais poser une question à monsieur Cicilio Joseph, qui est expert dans la gestion des conflits, département affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine. Monsieur Cicilio, alors depuis la création du Conseil paix et sécurité, évidemment, quelques changements se sont passés en Afrique le tout dernier. Et c'est en Éthiopie où il y a eu évidemment un accord de paix. Mais évidemment, les attentes du peuple africain n'est pas vraiment dans la réalité. Hier, professeur Patrick Lumumba nous a rappelé évidemment le thème choisi par l'UA en 2021 était de faire taire les armes en Afrique. On remet le point, évidemment, le bémol est clair que partout il y a des conflits dans des pays africains. Le tout dernier, le récemment, c'est le Soudan dont il s'agit maintenant, les attaques terroristes au Mali, au Burkina Faso. Nous avons évidemment un manque d'accord entre les pays voisins, Maroc et l'Algérie sur le Sahraoui, la RDC, le Rwanda. Et oui, on peut en citer. Monsieur Cicilia, qu'est-ce que vous avez fait dans de telles situations? Le peuple africain voudrait avoir des actions pratiques. Dans le cas d'espèce ici, le Soudan, en l'état, l'Union africaine, par le biais du CPS, devait agir pour éviter toute intervention étrangère. Mais c'était l'Arabie Saoudite, les États-Unis qui sont intervenus, qui ont fait de sorte que les deux parties puissent signer cet accord de cessez-le-feu pour permettre l'aide humanitaire au Soudan. Cet accord entre les États voisins, qu'est-ce que nous sommes en train d'attendre pour répondre, agir? Oh, oui, on ne peut pas être des docteurs qui vont intervenir après la mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Excellence, chers collègues, que la sécurité et la stabilité, et sans ces deux mots, l'Afrique que nous voulons ne va pas se faire. J'aimerais évidemment relayer un message à l'Union africaine que l'impérialisme devrait évidemment arrêter. L'UA devrait éviter toujours d'attendre la main extérieure, où on dit, comme on dit évidemment, la bouche qui vraiment est pleine ne parle pas. L'Afrique devrait évidemment agir dans son continent. Nous avons assez de terres arables, assez des ressources naturelles. Merci, merci, honorable. Honorable Mohamed Saleh Hamed du Tchad. Not in the chamber. Il est absent. Très honorable président, j'aimerais d'abord, par rapport au rapport de la commission paix et sécurité présenté hier, émettre des réserves en ce qui concerne tout ce qu'il a dit. Parce que mon pays, le Tchad, est cité sans aucun détail, sans des éléments. Et donc, nous ne pouvons ni poser des questions, ni répondre à des questions. Et par conséquent, je mets des réserves à tout ce qu'il a présenté, parce que il a manqué du respect à cette auguste assemblée. Monsieur le Président, en ce qui concerne le Soudan, tout le monde sait ce qui va arriver au Soudan. Tout le monde, je le dis, sait, mais malheureusement, tout le monde s'est tu et laissé faire. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Y compris notre organisation, l'Union africaine. Le Tchad, qui partage une frontière de plus de 1000 km avec la République sœur du Soudan, a beaucoup souffert depuis 2003. À accueillir des réfugiés et continue à accueillir aujourd'hui plus de 50 000 réfugiés, y compris les réfugiés centrafricains et camerounais sur le sol tchadien. Et vous savez que le Tchad, c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et donc, pas seulement les réfugiés, mais il y a des exilés politiques, il y a des exilés économiques, il y a les déplacés internes. Et alors, vous savez les conséquences.
pire encore, la circulation des armes, des guerres, de toutes les frontières du Tchad, Soudan, Tchad, Centrafrique, Tchad, Cameroun, Tchad, Libye. Et vous pensez que les autres pays seront épargnés? Je pense qu'il ne faut pas attendre jusqu'à ce que la situation s'empire et que ça va être trop tard. Monsieur le Président, je pense et je crois que la guerre, comme l'aide internationale, ne sont que des outils de contrôle planifiés qui permettent aux ennemis de l'Afrique de maîtriser les Africains afin d'organiser des pillages à ciel ouvert. Et tout ce que je demande, c'est d'ouvrir les yeux grandement, et tout en sachant que regarder, ce n'est pas aussi voir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you. Merci. Honorable Joseph Kalasinga Majimbo. Infiniment merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on ne peut pas se taire en une telle situation, en cette question soudanaise. Quand, évidemment, il y a l'hémorragie au Soudan, nous perdons aussi, évidemment, beaucoup de sang et tous nous sentons la difficulté. Où est la voix des chefs d'État et de gouvernement? Ils sont silencieux. Pourquoi nous sommes en quête des solutions du Soudan, des solutions qui proviennent de l'extérieur? Monsieur le Président, on ne peut pas toujours être là en train d'attendre. Cette auguste assemblée devrait prendre une résolution qui doit être prise aujourd'hui, ou pas peut-être aujourd'hui, même maintenant, et que ce pays doit être exempté de toute intervention et libre. Les enfants, les hommes et tout le monde, les femmes sont en train de subir. On ne peut pas toujours attendre. Merci, Monsieur le Président, pour cette résolution. Au maintenant et maintenant. Merci infiniment, Monsieur le Président. Thank you, I call up. Merci, honorable Abdeou Talanga. J'ai beaucoup, beaucoup de langues là. Merci, Monsieur le Président. Je vais rapidement quelques éléments, quelques démarches. De prime abord, la paix, sécurité en Afrique. Et hier, nous avons donc débattu de cette problématique par rapport aux élections à l'échelon du continental. Ce que nous avons noté est que, évidemment, la responsabilité de l'Union africaine, comme vous le savez, fait la collecte de certaines données. Et évidemment, on ne va pas y trouver les sources du conflit. On ne peut pas tout simplement faire l'énumération de certains éléments, prendre des résolutions pour trouver solution aux difficultés. Par ailleurs, il n'a pas été aussi mentionné de la responsabilité de l'Union africaine par le biais de son commissaire pour faire de sorte que qu'il puisse bien entrevoir les élections organisées et d'abord comprendre quelles sont les sources de conflits en Afrique, respecte la majorité dans les pays, les droits de l'homme et autres. Si nous ne débattons pas de ces problématiques, et nous savons fort bien que rien ne va se passer, on va perdre le temps, parlons de la paix et la sécurité. Ça, c'est en premier lieu. Concernant maintenant le Soudan, situation pathétique et traumatique. Il y a un problème, un provenant pays qui dit, et c'est clair, si vous voulez, évidemment, qu'on vous respecte, respectez les autres. Je dis cela parce que nous avions, évidemment, entendu que si chef d'État, membres du gouvernement vont aller faire la médiation là-bas entre la Russie et l'Ukraine. Et ils ont laissé le Soudan. Pourquoi sont-ils en train d'aller là-bas pour trouver des solutions entre l'Ukraine et nous avons des problèmes au Mozambique. Quand ils vont à Addis Abeba, à Nairobi, mais fait appeler ces généraux, parlez-leur. Si vous ne le faites pas, mais on va pas vous respecter. Et ils vont venir ici, dire voilà, vous n'avez pas trouvé solution à aucune de nos problèmes. Et les États-Unis sont intervenus au Soudan. Faites votre travail et on va vous respecter. Merci. Thank you. Honorable sénateur John Ban Bideri du Rwanda.
Merci, Excellence. L'expression de ma solidarité au peuple soudanais, qui est évidemment impacté par cette situation actuelle de force rapide et l'armée régulière soudanaise. Et il a été reporté qu'il y a nombre de civils qui ont perdu leur vie, déplacés internes et nombreux évidemment traversent les frontières pour des pays limitrophes. Ceci évidemment fait que je puisse rebondir sur la présentation hier évidemment du professeur Lumumba, qu'une nation doit avoir une âme et au Soudan il n'y a pas du tout d'âme. Et par conséquent, j'aimerais donc suggérer que nous, en tant que Parlement, on ne doit évidemment être du côté du peuple soudanais et évidemment, dans la situation où il se trouve, on devait évidemment demander aux partis en conflit qu'ils puissent signer un cessez-le-feu, permettre l'assistance humanitaire dans le pays. On a dit qu'évidemment, les hôpitaux évidemment, ont été bien pris par ceux qui sont en conflit. Donc, faire de sorte qu'on peut trouver des moyens pacifiques, pas des moyens militaires. À la vérité, si et seulement si on peut évidemment poursuivre le dialogue politique, ce serait évidemment la voie et la meilleure pérenne pour que la paix et la sécurité puissent s'installer et trouver les questions à résoudre entre les parties en conflit au Soudan. Alors, nous interpellons aux deux parties en conflit de choisir la voie du dialogue au lieu que ce soit des moyens militaires. Ça, c'est en premier lieu, deuxièmement, honorable président. J'aimerais mettre en relief évidemment le rôle du fort maintien de la paix en Afrique. En effet, cette force de maintien de la paix a déjà fait un bon travail, que ce soit en Somalie et dans d'autres pays. Nous savons fort bien où cette force se trouve. Et ces forces de maintien de la paix en Afrique sont en train évidemment de bien opter pour la solution africaine pour ce genre d'efforts de paix et l'Union africaine. Devrait évidemment suivre cette voie et faire de sorte que les fonds soient disponibilisés pour appuyer ou encore accompagner ces processus de maintien de la paix au lieu de compter sur le monde extérieur pour les fonds avec ces mots, honorable président. J'aimerais demander donc aux partis au conflit au Soudan de bien avoir un cessez-le-feu pour que la paix et la sécurité puissent s'installer au pays. Je vous remercie. Merci. Honorable Pabdis Absemat, Eka, du Maroc. Honorable Janet Kabila, RDC, vous avez la parole. Okay. Thank you, honorable president, for... Merci, honorable président, de m'avoir accordé la parole. J'aimerais bien amont d'abord vous dire... merci, plutôt dire merci aux orateurs d'hier pour évidemment la personne que nous a donnée par rapport à la situation de notre continent, situation sécuritaire. J'abonde dans le même sens avec mon frère du Sahraoui et de même mon frère ici Dion que nous avons besoin d'avoir vraiment une réunion tout entière pour débattre ces problématiques de paix et de sécurité en Afrique. 3 minutes, pas du tout assez. Mais on va essayer de rester dans les clous de ces 3 minutes. Concernant évidemment la paix et la sécurité de l'Afrique, honorable président, j'aimerais poser plutôt une question au représentant du commissaire. Que déjà, on a pas vraiment atteint les buts de faire taire les armes thème de 2020. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Je présume que l'ambassadeur et M. Khalid, qui ont fait évidemment la présentation sur la situation soudanaise, et oui, nous sommes avec nos frères et sœurs dans leur douleur et avec la population soudanaise. Mais honorable président, je ne saisis pas du tout pourquoi deux hommes militaires, les fils du Soudan, ont pris cette décision de prendre les moyens militaires achetés par les contribuables soudanais pour évidemment bombarder la cité et tuer les civils. Au nom de quoi
Nous sommes en train ici de parler des deux parties en conflit, de bien trouver solution par le biais du dialogue. Alors ce que j'ai pas évidemment entendu des deux orateurs, c'est l'excellence ambassadeur qui sont intervenus, M. Ali. Quelles sont les causes profondes, les causes de la situation soudanaise aujourd'hui? Ils n'en ont pas fait état dans leur communication. S'il n'y a pas du tout identification de ces causes, nous sommes évidemment en pleine guerre civile en Soudan. On aura président. On a parlé du cessez-le-feu qui devait être signé pour permettre l'aide humanitaire et faire de sorte qu'on puisse enterrer les morts. Ah, je regrette. On a déclaré qu'il y a cessé le feu pour sauver les humaines, sauver les enfants, les femmes, en l'occurrence les filles qui sont évidemment aujourd'hui sujets, encore objets de viol. Honorable président, oui. 705 personnes ont trouvé la mort, mais c'est davantage que ça. Ceux qui sont ceux qui n'ont pas accès aux services de santé, soins de santé, qui perdent leur vie, qui meurent, parce que voilà, sont dans le choc, ce qui se passe. Il y en a évidemment qui ont des crises cardiaques, des AVC, mais on aura président, je présume que l'Union africaine. Can I finish, Honorable President? Maybe the only one I'll allow an extra minute. L'unique personne que je donne encore une minute. Je suis presque au terme de mon propos. Monsieur le Président, je suis en train de proposer, oui, on va prendre une résolution dans cette auguste assemblée, mais on va plutôt s'assurer que l'Union africaine puisse vraiment prendre les devants. L'Union africaine devrait être au devant in fine. Président, les femmes devraient aussi jouer leur partition dans le processus de médiation. Parce que les hommes commencent la guerre, mais les femmes sont toujours la solution à la guerre. Merci. Thank you. Merci. Honorable Khadija Aroua du Maroc. I call upon Honorable Penny Majodina, Afrique du Sud. Penny Majodina, Afrique du Sud. Thank you very much. Infiniment, merci, Honorable Président, Président de cette Assemblée, honorable membre. D'abord, exprimer l'appréciation de toutes les exposés d'hier. Honorable Président, merci infiniment. D'abord, appréciation de tous ceux qui ont fait leur présentation hier et nous soutenons totalement le cessez-le-feu, comme ça a été dit hier, par tout le monde au Soudan et dans d'autres pays où il y a des conflits. Il est tout à fait patent que l'Union africaine n'est pas en train d'agir et ce a-t-on. Notre département paix et sécurité est là et devrait agir et assiste, ou peut-être qu'on n'a pas les capacités qu'il faut pour intervenir dans cette situation. Alors, l'orateur a parlé des élections qui vont se faire en décembre, mais à l'évidence, dans ces pays dont il a fait état hier dans sa présentation, oui, ce qu'il faut faire, il faut d'abord préparer le terrain, baliser le terrain, avant même qu'on parle d'élections dans ces pays-là. Et par voie de conséquence, l'Union africaine elle devrait vraiment prendre les devants, et comme l'a dit l'honorable Kabila. La question d'injonction, d'immixtion, évidemment, des puissances étrangères dans le continent par les États-Unis et d'autres pays comme l'Arabie Saoudite devrait être condamnée avec toute l'énergie. Et les dirigeants du continent de l'Union africaine n'est pas là et personne n'est là, et il y aura un vide. Tout le monde viendra et jouer et faire ce qu'ils veulent. La résolution devrait être prise dans cette maison que l'UA devrait bien prendre ses responsabilités. Dans quelques jours, l'UA doit se lever, être là pour trouver
trouver une solution à son problème. On ne peut pas être là en train d'observer, contempler, alors que les femmes et les filles là-bas sont violées. Violation des droits de l'homme. Il y a des rebelles, il y a des terroristes qui sont là-bas. Mais alors, mais quel genre de continent sommes-nous où il y a des rebelles et des terroristes qui évidemment vont dans les hôpitaux, prennent en otage, problèmes de santé et tout. Ceci doit être pris en tant qu'une situation d'urgence, honorable président. Ça doit donc être comme tel, et quand on a cette urgence, il faut évidemment une intervention extraordinaire. Ça ne peut pas, évidemment, un scénario tendanciel. Non, ça ne marche pas. Et je suis donc de qu'une raison soit prise, une raison forte. Et les hommes doivent évidemment s'écarter dans la médiation. Vous avez commencé la guerre, les hommes, vous ne pouvez pas terminer et finir la guerre. Oui, c'est nous, les femmes. C'est nous, les femmes. On doit être à la tête dans la médiation, pas les femmes. Oui, vous avez commencé la guerre. Et parce que votre ego, vous les femmes, vous les hommes plutôt. Merci, merci infiniment. Thank you. Je vous remercie. Retournez-vous vers le président et ainsi vous allez éviter de faire du bruit. Je passe la parole à l'honorable Sophia Lam du Soudan du Sud. Je vous remercie, honorable président. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, je voudrais dire que le Soudan... Je souhaite relever que le Soudan et le Soudan du Sud étaient à un moment donné un seul pays. Nous partageons plein de choses, nous partageons une histoire commune, les valeurs, certaines valeurs culturelles, nous partageons la religion dans certaines parties et même le mode de vie et la frontière entre les deux pays et au-dessus de tout ça, nous partageons notre prospérité économique. Le conflit actuel au Soudan n'est pas dans le meilleur intérêt de la région. La région d'Afrique de l'Est n'est pas dans l'intérêt du Soudan du Sud. En conséquence, si il se poursuit, il va même menacer l'existence du Soudan du Sud. Lorsque la guerre a éclaté le 15 avril 2023, les chefs d'État de l'IGAD se sont tous réunis, se sont concertés parce que l'IGAD est désormais dirigé par le président Kiir, le président du Soudan du Sud, Maya Kiir, et ils souhaitaient discuter avec les deux généraux. Étant donné qu'il est ressortissant de même pays, dans le passé, il connaît personnellement le général parce qu'ils étaient tous dans l'armée avant notre indépendance. Monsieur le Président, mon Président a immédiatement approché et invité les représentants des deux généraux à Juba. En effet, il a présenté la position de la région aux deux généraux ainsi que la position de la communauté internationale. À ce jour, je puis dire que c'est grâce au président que le corridor humanitaire a pu être effectif et l'assistance est apportée. Même nous, au Soudan du Sud, nous accueillons un grand nombre de nos frères venant du nord du Soudan. Monsieur le Président, je souhaite recommander que, étant donné que l'IGAD est un organe qui travaille de manière acharnée dans la région d'Afrique de l'Est, nous devons apporter notre appui à l'IGAD. Ces négociations devraient être l'occasion de mettre la pression aux deux généraux pour qu'ils dialoguent, pour qu'ils mettent fin à la guerre par tous les moyens. La question de la tenue d'une autre négociation en Arabie Saoudite n'arrange pas les choses. Je joins ma voix à mes collègues qui m'ont
précédé pour dire que l'Union africaine doit prendre les devants et amener les deux généraux à dialoguer. Enfin, nous devons continuer à porter notre aide humanitaire, notamment les femmes, les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent à ce moment donné. C'est l'appel que nous lançons en tant que Parlement panafricain, un appel à l'intention des deux généraux pour qu'ils négocient le plus tôt possible et mettent un terme à cette guerre. Merci. Thank you. Je vous remercie. Honorable Caroline Kamshime de l'Ouganda, vous avez la parole. Merci infiniment, Monsieur le Président, de me donner l'occasion de prendre la parole au sujet du Soudan, notamment la situation qui y prévaut. Monsieur le Président, c'est vraiment malheureux que les femmes et les filles, pères de la vie, sont tuées. Je conviens avec ma sœur Majo Dina au sujet de ce qu'elle a déclaré concernant les femmes. Et si la commissaire était une femme, avait donné pour excuse que l'enfant était malade, il ne pouvait pas être ici. Même la personne qui l'a représenté a dit qu'il n'avait rien à dire. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Les femmes sont préoccupées par les enfants. Nous parlons des personnes qui perdent leur vue. On ne parle pas des femmes honorables. Franchement parlé, j'ai très bien écouté le représentant de la commission. Il a dit que lorsque les pays ne leur communiquent pas des informations sur ce qui se passe, ils ne savent pas où commencer. De quoi parlons-nous? Nous sommes en train de perdre du temps ici. Nous devons trouver des solutions et aider ces mères et enfants innocents qui perdent leur vie pour des intérêts particuliers. Les femmes, les hommes sont très portés vers leurs intérêts personnels. Nous devons donc leur donner le temps de nous dire ce qu'ils planifient en termes d'intervention. Nous avons besoin d'intervention maintenant, Monsieur le Président. Nous ne devons pas nous contenter ici de faire des déclarations sans trouver des solutions. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole. Je vous remercie, Honorable Marim Mohamedou Mohamed, de la République Sahraoui. Vous avez la parole. Je vous remercie infiniment, honorable président. Je ne prendrai pas la parole. Honorable Sohaibo Touré. Merci infiniment, honorable président, de me donner la parole. Honorable président, l'ambassadeur nous a fait savoir que leur aspiration est de recevoir l'appui du continent africain. Il a également mentionné les nouvelles initiatives qui s'ajoutent aux anciennes. Honorable président, j'aimerais faire mienne l'avis des membres de Somalie, Angola, Cameroun et Congo et les autres. Je suis convaincu que la paix, le commissaire à la paix et à la sécurité devrait être invité pour nous présenter les difficultés rencontrées parce que nous ne comprenons pas la lenteur du processus. Monsieur le Président, on ne peut que déduire des exposés parce que on ne nous a pas indiqué les causes profondes du conflit que les deux généraux se battent pour le pouvoir. Je pense que c'est la cause profonde. Les deux veulent prendre le pouvoir parce qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays. Nous devons donc élaborer une stratégie pour le Soudan. Sans une stratégie, nous allons avancer dans le noir. La stratégie vise à faire taire les armes, comme plusieurs personnes l'ont mentionné. On doit donc le faire pour que une
un calme apparent soit instauré et que les deux parties prenantes soient regroupées autour d'une table. Et à cet effet, l'Union africaine devrait organiser une conférence de toutes les parties ou une conférence nationale qui aura pour objectif de résoudre le conflit et adopter un plan de transition pour le Soudan. On doit également prévoir le cadre juridique, notamment la constitution, la période de la transition et les institutions qui vont mener les tâches qui seront identifiées. Il faudra donc mettre en place un gouvernement d'union avec un plan d'action minimum de gouvernement pour la période de transition et ce gouvernement d'unité nationale devrait mettre en œuvre ce programme. Ce gouvernement d'union devrait également aider les autres institutions de la transition à mener à bien leurs tâches en vue de la tenue des élections libres et transparentes et la mise en place d'un gouvernement stable. L'Union africaine devrait donc adopter une stratégie de résolution des conflits sur l'ensemble de l'Afrique. Nous avons déjà débattu de cette question dans cet hémicycle. Nous devons donc assurer le suivi de la question. Thank you. Je vous remercie. Honorable Lloyd Kasingo, vous avez la parole. Je vous remercie infiniment, honorable président, de me donner la parole. Je suis ressortissante de la Namibie. Je vais très rapidement et de façon concise revenir sur les trois exposés. En ce qui concerne l'exposé de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine, je reprends le fait que ma collègue est déçue. Nous sommes déçus parce que nous n'avons rien entendu et du collègue qui a été dépêché pour venir s'adresser à nous. Et je souhaite donc qu'on invite la commissaire en charge des questions de paix et de sécurité à venir s'adresser à nous sur les questions de résolution de conflits. Et notre travail dépend de ce que l'Union africaine va décider au sujet de la paix et de la sécurité. En ce qui concerne le conflit qui prévaut au Soudan, mon cœur saigne. Par le passé, dans ces assises, nous avons eu la chance d'avoir parmi nous les députés du Soudan. Et la majorité de la délégation était constituée de professeurs qui apportaient des contributions louables. À titre personnel, j'ai eu la chance à cette époque à me rendre au Soudan et au Soudan du Sud. À ce moment-là, le Soudan du Sud n'était pas indépendant. J'ai vu comment des personnes ont été tuées, les bâtiments ont été détruits et ce n'est pas une bonne chose. Je reviens sur ce qu'ont dit mes collègues, à savoir que l'Union africaine devrait intervenir et le plus tôt serait le mieux. En ce qui concerne la Palestine, je suis de la Namibie qui est un produit de la solidarité continentale. La voix de la Namibie est très claire. Partout où nous nous retrouvons, à travers notre chef d'État, notre ministre des Affaires étrangères, condamne toujours l'occupation par Israël du territoire de la Palestine. Je nous invite à adopter une résolution condamnant cette occupation qui date de 100 ans. J'aimerais également aborder la question du Sahara occidental. Dans une certaine mesure, la question a été portée devant les Nations Unies. Quel est le niveau de confiance que nous avons que l'Union africaine, plutôt les Nations Unies vont résoudre ce problème si elle n'a pas pu résoudre le problème de la Palestine? Oui, je vous accorde une minute supplémentaire. Veuillez donc allumer votre microphone. Nous, chaque année, on doit nous faire le point des avancées concernant le problème du Sahara occidental, la République sahraouite. Merci infiniment.
J'invite le docteur, le professeur Maturi Moche à prendre la parole. Honorable président et honorable membre, l'attaque des rebelles au Soudan, c'est une attaque menée contre l'âme de l'Afrique, et cette attaque est sponsorisée par des forces du noir qui sont au service du diable. Nous en appelle au réveil de la conscience africaine et de l'âme de l'Afrique, dont Nelson Mandela. Il y a une réunion qui se tient à ma gauche. Veuillez poursuivre votre intervention. Donc, je lance un appel en faveur de la renaissance de la conscience spirituelle africaine que le président Nelson Mandela a appelé le programme de reconstruction et de développement de l'âme. Les forces du noir qui ont causé la situation qui prévaut au Soudan sous le couvert d'une ou de plusieurs religions sont des personnes matérialistes qui utilisent les armes pour avilir les pays africains et profiter de ces ressources. Le Soudan est victime de ces forces du noir. C'est une guerre entre les esprits et les forces du noir sur le terroir de l'Afrique. Les endroits de culte, les hôpitaux sont détruits, et cela est une atteinte à notre esprit. Le président Nelson Mandela a dit que notre triple héritage de l'islam et du christianisme et des religions africaines devrait permettre la renaissance du continent africain. Il a également relevé le côté humanitaire de l'Afrique, appelé Ubuntu, et qui est un outil important dans la recherche d'un nouvel ordre économique et social qui est le socle de la paix et de la sécurité. Pour conclure, Monsieur le Président, en Afrique du Sud, nous avons mis en place le Conseil inter-écuménique en Afrique du Sud qui regroupe les principales croyances, l'islam, le christianisme et les religions africaines, pour œuvrer à la renaissance de l'esprit africain, apporter un appui moral aux femmes, aux enfants et aux victimes de violences dans d'autres parties du pays. Your mic is off. Votre microphone est éteint. Vous avez commencé par... Je conclue en disant, et je le dis, Monsieur le Président, je conclue en recommandant que, en tant qu'organe législatif des populations africaines, le Parlement devrait faciliter la mise en place d'une initiative interconfessionnelle en Afrique pour apporter un appui moral et financier aux pays en proie au conflit, notamment le Soudan. J'aimerais également signaler que le vice-président Gayo m'a aidé à rencontrer les dirigeants islamiques à Addis Abeba pour des concertations en vue de la mise en place d'un conseil interconfessionnel. Cet après-midi, je vais tenir une réunion à Kézédi pour faire rapport sur cette initiative. Je pense que nous devons mettre en place une équipe de hauts dirigeants religieux et les envoyer à Addis pour coordonner une intervention interconfessionnelle. Puis vous assurer que toutes les personnes qui créent des problèmes au Soudan sont des personnes qui se prévalent d'une religion. Cela signifie que nous avons une religion sans âme. Et je me porte volontaire pour promouvoir cette
initiative. Je suis d'accord avec les honorables Kabila et Majodina pour dire que nous ne devons pas nous croiser les bras. Les femmes et les personnes religieuses doivent faire partie de la médiation. En effet, les membres sont les plus touchés. Je vous remercie pour votre indulgence, Monsieur le Président. Je vous remercie infiniment. Honorable Muntaka, vous avez la parole. Merci infiniment, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il est très triste que l'on parle du Soudan du Sud, plutôt du Soudan, de la Palestine et des autres conflits, comme on le fait maintenant. C'est très triste parce que c'est une des guerres ou des conflits les plus insensés sur le continent. Monsieur le Président, ce qui me préoccupe, c'est que nous tous, nous essayons de nous dédouaner, y compris moi-même. Nous faisons semblant de ne pas maîtriser le vrai problème qui se pose. Nous accusons la commission paix et sécurité de n'avoir pas fait ceci ou cela. Combien d'entre nous, dans nos parlements respectifs, veillent à ce que nos pays, au niveau individuel, payent leur contribution à l'Union africaine? Est-ce que nous nous préoccupons même de savoir si nos pays sont à jour? Pour cette crise, l'Union africaine avait besoin de 85 000 $ pour faire face à cette, millions de dollars pour faire face à cette crise, et cela équivaut à 2 millions par pays. Il faut se poser la question de savoir que fait votre pays, qu'est-ce que mon pays, le Ghana, fait, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que moi, en tant que parlementaire du Parlement panafricain, que faisons-nous? Cessons de faire semblant. Nous savons tous qu'en Afrique, nous avons une force en attaque. Et on ne pourra pas toujours résoudre des problèmes de sécurité. Lorsque nous allons retournons dans nos parlements respectifs, nous pensons que ce n'est que lorsque le Ghana est indexé et que je vais me mouvoir sans me préoccuper du Togo, de la Côte d'Ivoire. Je ne me préoccupe que du Ghana. Au lieu de traiter la question de façon individuelle, on devrait plutôt œuvrer de concert, sinon la situation va s'aggraver. Et ce n'est qu'on doit mettre en place une force plus grande qui peut donc se faire entendre. On l'a vu en Gambie. Et lorsque un problème s'est posé dans ce pays, on a demandé au président en place de quitter le pouvoir après 2 semaines, et il l'a fait. Oui, on doit demander à ces généraux insensés d'arrêter ce qu'ils font, parce que les deux sont illégitimes et causent la mort de plusieurs personnes. Et on parle de l'intervention de l'Union africaine. Que peut faire l'Union africaine? Combien avez-vous contribué en tant que pays? Plusieurs pays ne sont pas à jour en ce qui concerne leur contribution. Et nous demandons l'argent des États-Unis, de l'Arabie Saoudite. L'Union africaine ne peut rien faire. Elle ne dispose pas des fonds nécessaires. Où se pose le problème? Le problème vient de vous et moi. Peut-être que je suis assez cru, mais le problème, c'est vous et moi. Cessons de faire semblant et dire que l'Union africaine ne fait rien. Je reviens sur ce qui a été dit au sujet de Kwame Nkrumah. Est-ce que nous sommes africains parce que nous sommes nés africains, ou est-ce que l'Afrique est née en nous? Nous devons nous poser cette question. Merci, Monsieur le Président. Le dernier nom sur la liste, l'honorable Jida. Je pense des demandes de prise de parole inscrites sur la liste. Vous êtes au fait de la procédure. Si vous voulez prendre la parole, appelez les hôtesses et faites-le nous savoir. La procédure prévoit que
Lorsque vous souhaitez prendre la parole, vous invitez les hôtesses et vous leur remettez la demande de prise de parole. Je joins ma voix à celle de mes collègues qui m'ont précédé par rapport au commissaire de paix et de sécurité qui nous a présenté un rapport hier et pour nous dire qu'il est technicien, mais il n'est pas politique. Je veux le rappeler qu'ici, cette chambre, elle est politique, monsieur le président. Elle n'est pas technique. Donc la chambre, elle est politique. Comme l'a dit honorable Janet Kabila, il faut inviter le commissaire en personne pour venir pour nous expliquer et nous dire toutes les vérités. Parce que lui, il est limité. Il nous a dit qu'il est limité. Moi, ce que j'ai compris au niveau du Conseil de paix et de sécurité, ils ont des termes de référence qu'on leur donne et avec des orientations bien précises pour aller dire ça, écrire ça et revenir avec. Ça, ce n'est pas politique. Ça, je préfère qu'on envoie une mission au niveau du Parlement panafricain que d'envoyer les gens du Conseil de paix et de sécurité qui n'ont jamais abouti à une bonne solution. Donc sur ce, parce que là, moi, j'ai suivi avec un grand regret leur communiqué numéro 1152/2023 du 11 mai 2023 concernant le Tchad. C'est avec un grand regret que je lui ai communiqué. Par rapport au Soudan, chez nous, on dit quand la case de ton voisin brûle, il faut te préparer. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a une force mixte entre le Tchad et le Soudan. Et le Tchad accueille, comme l'a dit mon collègue, plus de 50 000 réfugiés soudanais qui sont dans notre territoire, que le Tchad a pris en charge. Ce n'est pas l'Union africaine, ce n'est pas l'ONU, et c'est le Tchad qui avait pris en charge ces réfugiés-là. Mais pour nous, Tchadiens, nous avons vécu un moment très difficile. La guerre, nous la connaissons mieux que quiconque, sauf peut-être l'Afrique du Sud. Depuis 1960, nous avons vécu, on est dans la guerre civile, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Moi, personnellement, j'ai des souvenirs douloureux, parce que la guerre dans une capitale, ce n'est pas la guerre dans une province ou la guerre en dehors d'une ville. La guerre dans une ville, elle est très dangereuse, asymétrique plus que ce qu'on a vécu avec les Boko Haram. Il faut vite une intervention rapide pour arrêter cette guerre, pour arrêter cette hémorragie. Je pense, comme l'a dit avec votre permis, je ne suis pas le genre de personne qui prennent des paroles. Mais c'est rare. Vu le cas du Soudan, je prends ce micro avec une très grande émotion. Et qu'il faut peut-être envoyer les femmes la voir, parce que c'est elles qui pleurent beaucoup plus que nous les hommes. Et que les enfants meurent, les femmes meurent, et ce n'est pas facile. Nous connaissons, chaque pays a sa diversité, chaque pays a sa culture. Au Soudan, s'il faut une intervention militaire, la guerre ne s'arrêtera jamais. Entre eux, chacun se dit, je vais tuer l'autre. L'autre dit, non, l'autre aussi va mourir, je vais l'enterrer. Donc, entre les Soudanais, personne ne va fuir, sauf les mettre sur une table et discuter pour trouver la paix. Donc, sur ce, monsieur le président, pour conclure, je vous demande peut-être, comme l'a dit certains collègues, on dit, il faut constituer tout de suite une équipe pour envoyer ambition, voire peut-être on trouvera une solution avec le Soudan du Sud, avec les pays voisins. Merci, monsieur le président. Honorable. Zoé Anita du Burundi, vous avez la parole. Est-ce bien Anita?
m'accorder la parole. Mes collègues ont déjà dit les situations actuelles du Soudan et les stratégies à prendre. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut que l'Union africaine n'a qu'à organiser un plan d'action pour que cette guerre finisse. Le chaos qui règne au Soudan accroît la pression sur des pays d'accueil déjà à la limite de cette capacité. Et cette crise vient aggraver des besoins humanitaires déjà très importants au Soudan. Malgré les annonces répétées de cesser le feu, donc les combats entre les deux factions militaires qui a éclaté à Khartoum se sont rapidement étendus à d'autres régions du Soudan. En bref, le PAF doit prendre des résolutions pour que cette guerre finisse. Je vous remercie. Nous avons donc clos la réception des demandes de parole. Sinon, on aura un débat sans fin. Honorable Sophia de Djibouti, vous avez la parole. Je voudrais dire bonjour à l'ensemble de mes collègues présents dans cet hémicycle. Monsieur le Président, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit par mes collègues concernant le Soudan. Et je pense que l'UA doit prendre ses responsabilités à temps pour que les choses ne deviennent pas incontrôlables. Je voudrais juste signaler ici qu'un sommet est prévu le 12 juin 2023 à Djibouti sur la question du Soudan sous la houlette du président de la République. J'espère que ce sommet va contribuer à la paix de notre cher frère, le pays, le Soudan. Moi, je voudrais poser une question au représentant du commissaire de l'Union africaine. Monsieur le représentant, pourquoi l'Union africaine reste en spectateur devant les pays qui hébergent des rebelles armés, qui s'attaquent à des pays voisins et mettent à mal la vie des femmes et des enfants? Pourquoi des sanctions ne sont pas prises à l'encontre de ces pays pour prévenir la catastrophe à venir? C'est la question que je voudrais poser à monsieur le représentant du commissaire. Merci. Honorable Jolly de la RDC. Merci beaucoup, monsieur le président, pour me donner la parole. Honorable Président, la situation du Soudan ne peut nous laisser impassibles. Je voudrais remercier les intervenants d'hier, particulièrement les représentants de la société civile, pour les éléments qu'ils nous ont donnés pour tenter tant soit peu de comprendre cette situation. Comme l'a dit Madame Kabila, on ne nous a pourtant pas dit pourquoi ces deux généraux, deux hauts officiers qui sont censés protéger le peuple, utilisent des armes de destruction massive, l'aviation, des chars pour bombarder, commettant ici des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Je ne comprends pas, Monsieur le Président, comment la communauté internationale qui s'est acharnée sur le général Béchir, l'ancien Omar Béchir, en émettant des mandats d'arrêt international contre cet ancien président du Soudan, ne fait rien pour arrêter ces deux généraux qui se sont retournés contre ceux qui le payent. Je crois que s'il faut commencer par les négociations ne peuvent pas aller sans pression. Il faut que ces deux généraux qui ont trahi leur serment de soldat puissent, n'est-ce pas, être poursuivis par la CPI. Je crois que parmi ces résolutions, il faudra les dire. On n'entre pas dans l'armée pour devenir président de la République. On entre dans l'armée pour servir la nation. Et on a parlé suffisamment du retour du gouvernement civil au Soudan. Maintenant, ce n'est plus l'armée, c'est beaucoup plus encore ce qu'on appelle le réserviste, qui ont tué à l'époque des Janjaweed, comme on nous a dit, qui ont servi comme mercenaires au Liban, à Libye, et qui sont allés même au Yémen. Donc,
Ce sont, à mon avis, des bandits qu'il faudra poursuivre et arrêter. Et ce n'est qu'à cette condition-là, Monsieur le Président, que nous pouvons avancer. Il n'est plus possible, en plein XXIe siècle, que des États transforment leur peuple en cobayes, en lapins pour tirer le dessus. Et si on ne sait pas arrêter ces personnes-là, Monsieur le Président, notre Parlement ne sert à rien. L'Union africaine montre ses limites, mais nous, nous sommes aussi un organe de l'Union africaine. Nous devons montrer, ne fût-ce que ce que nous pouvons faire, en envoyant dans une résolution une délégation. Si on ne peut pas arriver au Soudan, mais au moins au niveau des pays voisins. Comme quelqu'un l'a dit, comment des présidents africains peuvent aller régler les problèmes en Ukraine et en Russie, alors que ici, chez nous, les gens sont en train de mourir, des femmes et des enfants. C'est intolérable, Monsieur le Président. Il faut qu'il... Honorable Lamari Badja, Algérie. Honorable Lamari Badja d'Algérie, vous avez la parole. Bonjour, merci Monsieur le Président de m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président, du haut de cette tribune, la République algérienne, à travers son peuple et son gouvernement, se dit solidaire avec le peuple soudanais frère et condamne et dénonce la guerre et la violence en Afrique. Notre État a des positions stables par rapport aux questions de l'Afrique, comme la cause palestinienne, Jérusalem et arabe. Et par rapport à la question de la République sahraoui, nous avons notre position, c'est une position claire. Nous sommes donc solidaires avec la crise qui prévaut actuellement au Soudan. Monsieur le Président du Parlement panafricain, le Parlement panafricain a un rôle à jouer au niveau de l'Afrique. Nous avons à jouer notre rôle. Nous avons à prendre la défense de nos peuples africains. Et aujourd'hui, nous demandons à l'Union africaine de se porter aux côtés du peuple soudanais, du peuple sahraoui. Nous demandons que la question ou bien que la crise soudanaise soit solutionnée. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Soudan, dites au peuple soudanais que l'Algérie, gouvernement et peuple, est solidaire avec vous. Donc, rassurez votre peuple, vous n'êtes pas seul. Votre crise, c'est la nôtre. Nous ressentons la douleur que vous ressentez. Monsieur le Président, l'Union africaine attend quoi pour intervenir, pour résoudre les crises africaines, les conflits africains? L'Union africaine attend quoi pour intervenir, pour rétablir la paix et la sécurité au niveau du continent africain? Donc, du haut de cette tribune, je demande moi personnellement à l'Union africaine de se porter solidaire à côté de tous les peuples africains. Merci. Honorable Esther Passage, je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole sur ce débat portant sur le Soudan. Monsieur le Président, lorsque l'ambassadeur est intervenu, il a dit qu'ils étaient disposés à s'asseoir avec les généraux et à les intégrer dans l'armée. Vous ne négociez pas avec les terroristes, vous ne négociez pas avec ceux qui détruisent le peuple censé être protégé. Je ne comprends pas ce concept de ramener ces gens autour d'une table de négociation. S'agissant de l'Arabie Saoudite et des États-Unis, si au niveau de l'Union africaine nous ne faisons rien, alors nous ne devons pas nous plaindre lorsque les autres veulent faire quelque chose. Ce que nous devons faire, c'est d'engager les négociations. Mon collègue ghanéen a parlé, a dit qu'il y a des pays qui n'avaient pas versé leur contribution statutaire. Il faudrait que le Parlement panafricain établisse la liste des pays qui n'ont pas payé leur contribution statutaire. Ainsi, la semaine prochaine, nous allons voir
ce que nous pouvons faire au niveau de nos parlements nationaux. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux pour qu'on sache les pays africains qui n'ont pas payé leur contribution? Mes prières et ma solidarité, c'est avec le peuple soudanais. Aujourd'hui, on n'a pas su faire taire les armes. Comment est-ce que l'Union africaine, le Parlement panafricain peuvent conjuguer les efforts pour taire les armes? Nous devons rechercher des solutions, établir la responsabilité et débusquer ceux-là même qui ne travaillent pas pour la paix et la sécurité en Afrique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci bien à vous. Alors, je crois que nous avons donné la parole à tous ceux qui ont demandé à la prendre. Honorable Gao, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Soudan, honorables parlementaires, chers collègues, parfois je ne comprends pas certaines problématiques. Par exemple, lorsque les dirigeants africains négocient, cela n'est pas à la une des journaux. Et lorsque les étrangers viennent négocier, tout est sous le feu de la rampe. Par exemple, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le premier ministre éthiopien sont engagés dans les négociations. Ils sont actifs dans les négociations, même le président Kagame. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce que on magnifie ce que les autres font et on néglige ce que nous faisons? Excellence, honorable membre, le problème soudanais concerne les pays voisins, l'Érythrée, l'Éthiopie, etc. Le conflit au Soudan, c'est un conflit qui interpelle l'Éthiopie et d'autres pays voisins. Honorable parlementaire, les solutions africaines sont importantes, notamment pour ce conflit. Il faudrait qu'on se garde de reprocher à l'Union africaine. Je suis d'accord avec cet honorable. On doit se poser la question de savoir qu'est-ce que le Parlement panafricain fait. Alors, faisons notre travail et soyons unis avec les organisations telles que l'IGAD, la Communauté d'Afrique de l'Est, pour négocier. À cet effet, le caucus ou bien l'ensemble des groupes parlementaires du PAPE doivent essayer de régler ce problème. On peut demander à l'Union africaine de se joindre à nous pour la quête de solutions à la crise soudanaise. Ce problème n'a pas commencé hier. Ce problème date de 2002. L'Union africaine est saisie quotidiennement de cette crise et nous savons que lorsque la guerre a éclaté, l'Union africaine n'était pas prête à déployer les forces comme il se doit. S'agissant des délégués qui veulent se rendre là-bas, voilà, vous savez, c'est une situation de guerre, il y a des bombardements tous azimuts. À cet égard, nous devons également trouver un territoire neutre, comme le président du Soudan du Sud l'a fait, et comme ça a été proposé par le premier ministre éthiopien. On doit donc inviter les parties belligérantes à prendre part à des négociations. Et j'espère que le Parlement panafricain sera mis à contribution. Le très honorable président du PAPE doit être
faire partie des négociations. Et au bout du compte, nous espérons que le Parlement panafricain va prendre une résolution pour apporter sa contribution à la quête de la solution à la crise soudanaise. Nous sommes de tout cœur et en solidarité avec le peuple soudanais. Je vous remercie. Depuis 9h50, nous avons écouté ceux qui ont pris la parole. Nous souhaiterons que ceux qui veulent intervenir maintenant nous apportent des solutions. Voici ce qu'on va faire. Nous allons écouter attentivement à vous. Nous allons vous écouter attentivement, pardon. Vous voyez, dans des ateliers, on dit souvent « levez-vous, dégoussissez-vous les jambes ». Au Parlement panafricain, on ne fait pas cela. Au Parlement panafricain, on marque une pause de 10 minutes et par la suite, on rentre dans l'hémicycle, écouter des solutions qui peuvent être mises en œuvre. Donc, je propose qu'on marque une pause café de 10 minutes. Je crois que à 11h50, nous allons reprendre nos travaux. Donc, à 11h50, retour dans la salle, marquons une pause café. Merci bien.
Can we get prepared to move? Can we get prepared to move? Let's get back to our seats. Yes, my brother. Can we reconvene, please? Okay, and so thank you. Okay. We won't wait for those that are outside. I just wonder who should present first. The AU, peace and security rep. Then we have the ambassador is gone out. Okay. Yeah, so I think the best would be the Sudan community in South Africa to the ambassador. Then we go to the peace and security representative so that he gives the overall, wrap up. Thank you. The ambassador is back. Let's start with the community in South Africa, the Sudan community in South Africa, Mr. Harid. Wherever you want to be, I think it's better to come to the front. This is a very important presentation. But as you present, Mr. Harit, the debates say, what are the root causes? And all of you have to answer that question. We heard the history. And so far, in fact, Mr. Harit, if you look at your situation, you gave us yesterday a scenario where it was military coup, civilian military coup, ever since 1956. It means there is a dynamic. There's something about Sudan. And why even South Sudan had to run away from Sudan and set up their own country is part of those dynamics. So that when the African Parliament comes in, they know where to go and what to do. So please tell us exactly what do we need that are the root causes and solutions. Thank you. We have a traduction, please. Sorry? Traduction. In English to French. Interpretation.
Oh, I'm told there's a problem in the French booth. Are you okay now, the French booth? Yes, the French booth is okay now. Yes, sir. Merci beaucoup, honorable président, honorable membre du Parlement, de m'avoir donné l'occasion de répondre à un certain nombre de soucis et de questions. Have been raised. Quelles sont les questions qui ont été évidemment soulevées dans cette auguste assemblée? Je vais donc évidemment suivre évidemment l'ordonnancement. Des questions. Je commence avec l'honorable membre. Pardon. Allez, we are giving you 5 minutes. Dans 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes si vous voulez répondre à toutes les questions. Mais vous avez déjà. Non, vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions. Essayez de regrouper question par question. Quelles sont les sources, les causes de cela. Je vais commencer d'abord avec les causes profondes. C'est vrai qu'on aura des opinions divergentes hein, par rapport évidemment à la cause de ces problèmes là-bas au Soudan. Dans cette spirale très claire des coups militaires, vous voyez bien, coups d'État, civils au pouvoir, et ainsi de suite. Ça a été évidemment une récurrence dans la plupart des pays africains. En l'occurrence, au Soudan, on doit dire que les coups militaires n'était pas évidemment instigé par les militaires eux-mêmes. Je présume que les différentes évidemment forces politiques étaient évidemment originaires de ces différents coups, ou évidemment leurs intérêts ou ils se sont rendus compte qu'ils devaient peut-être perdre une élection, ou encore ils n'étaient pas du tout satisfaits de ce qui se passait, et ils ont donc essayé de faire de la sorte. En 1958, lorsque le premier ministre de l'époque a remis le pouvoir aux militaires, car les partis d'opposition s'unissaient contre lui. Les militaires ont pris le pouvoir et par la suite, il est revenu leur dire « remettez-nous le pouvoir ». Ils ont refusé. De même, lorsque Gafanyemeri est venu au pouvoir, lors de régime démocratique, les partis politiques s'étaient unis et interdit le Parti communiste soudanais. Le Parti communiste soudanais a traîné le gouvernement en justice et la Cour a dit que c'était anticonstitutionnel et le gouvernement a refusé. Et pour ce qui concerne le coup d'État de 1999, il a été planifié et soutenu entièrement par le Front National Islamique qui a installé le gouvernement islamiste au pouvoir. Après, ces gens ont dirigé le pays pendant 30 ans. Lorsqu'il y a eu un soulèvement populaire en 2018, lorsque ce soulèvement populaire a pris de l'ampleur, les généraux qui soutenaient Béchir ont décidé de s'unir pour chasser Béchir du pouvoir. On aurait eu une période de transition normalement, mais cette période de transition a avorté par l'action des généraux qui ont démis le premier ministre et ont repris le pouvoir le 21 octobre 2021. Alors, ça pourrait être les causes profondes sous-jacentes du problème. Et c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres explications, mais voilà, ça c'est ma perception des choses. S'agissant du débat, il y a eu des questions qui ont été posées. On s'est posé la question de savoir pourquoi on n'avait pas démobilisé les Janjaweed. C'est la même question que nous nous posons.
les mêmes djendjaouides qu'on appelle aujourd'hui force de déploiement rapide ont été intégrés dans les structures gouvernementales, dans le Conseil souverain. Le chef de djendjaouides est devenu le chef adjoint du Conseil de souveraineté, qui est le chef d'État. Et le même général qui lutte aujourd'hui contre les djendjaouides disait que les djendjaouides font partie de l'armée nationale soudanaise. Et puis, du jour au lendemain, les choses ont changé. Eh bien, pourquoi? Ça, c'est la question que nous nous posons. Est-ce que par le passé, on savait que c'était prévisible? Est-ce que du jour au lendemain, ces gens sont devenus des criminels, des terroristes, etc.? Ils ont toujours été des terroristes. Ils ont toujours été des criminels. Nous le savons tous. L'honorable Kabila de la RDC a dit que le bilan meurtrier est plus lourd que l'on ne sait. Et je le pense. Je ne vous ai présenté les chiffres officiels provenant du ministère fédéral de la Santé. Je crois qu'on ne peut pas maîtriser le nombre de victimes. Il y en a beaucoup. Il y a même des victimes collatérales, par exemple. Un malade qui va pour la dialyse ou qui prend certains médicaments après une grève de rein ne peut pas se rendre à l'hôpital. Il n'y a plus de dialyse. Il y a des milliers de personnes qui meurent du fait de l'absence des formations sanitaires. Nous, la communauté soudanaise ici, nous essayons de procéder à la collecte des dons que nous avons l'intention d'acheter certains médicaments de première nécessité pour envoyer au ministère de la Santé pour voler au secours de ces malades nécessiteux. Voilà certaines des initiatives que nous avons prises. S'agissant de la question des négociations en cours et notamment le forum des négociations organisé par l'Arabie Saoudite et les États-Unis, je ne sais pas exactement si on doit abandonner ce forum et mettre sur pied un autre. Ce forum a été soutenu par l'Union africaine. L'Union africaine est impliquée, donc ainsi que IGAD. Et ils sont en fait en train de soutenir ce processus qui fait son progrès. Pourquoi ne pas donc s'aligner à ça? Parce que ça fait de progrès. Nous devons en fait nous associer à ça. Les gens disent nous devons avoir les forces donc de maintien de la paix. Donc ça c'est important. Mais j'ai eu le privilège de travailler pour les deux, l'Union africaine et les Nations unies. Et je peux vous dire que le coût de y afférent est très élevé. Et on a essayé en Soudan, quand l'Union africaine a donc envoyé les forces à Darfour, après une petite période, on ne peut pas continuer parce qu'il n'y avait pas de fonds. Et c'était pratiquement remis dans une situation de mission hybride, UNAMID. Donc même le processus de négociation est extrêmement onéreux. Motion d'ordre, vous êtes en train de faire une autre présentation. Ça c'est une autre présentation. J'ai essayé de répondre aux questions. On veut donc que vous donniez des mesures pratiques de l'Union africaine et du pape. À votre avis, quelles sont les mesures pratiques que vous devez donc proposer au pape pour la mise en œuvre? Même quand l'ambassadeur devait intervenir, on a besoin des mesures pratiques pour aller de l'avant. Merci, Monsieur le Président. Dans ma présentation, à la fin de ma présentation, j'ai donné trois recommandations de manière concrète.
Et c'était en fait faire pression sur les partis en guerre pour que le Parlement panafricain travaille avec l'Union africaine ainsi que d'autres forums pour faire pression sur en fait ces partis en guerre pour qu'ils arrêtent la guerre au lieu de faire un cessez-le-feu donc temporaire. Autre recommandation, c'est à notre avis, ceci ne va pas se terminer une fois pour toutes, à moins qu'on retourne le pays au processus qui a été lancé pour rentrer en gouvernement civil. Donc ça, c'est ce qui peut être proposé aussi longtemps que les généraux sont en train de se battre. Il y aura toujours des missions. Ils vont continuer à se battre parce que ça, c'est le seul langage qu'ils comprennent. Ils pensent que tout peut être donc résolu par force, donc par la guerre. Donc on pense que si le pays n'est plus remis à la trajectoire de la gain d'un gouvernement civil, donc rien ne sera trouvé comme solution. Merci, honorable président. Avant de terminer, vous avez donné une illustration claire de l'histoire des coups militaires et civils. Dans, à votre avis, quelle est la cause? Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a pas mis en exergue cela. Quelle est la cause? Qui a été en train de faire le coup à qui? Est-ce que c'est en fait une région, un groupe ethnique? Ce qui est spécifique au Soudan, c'est pas spécifique à tout le pays. Pourquoi est-ce que vous pensez que chaque fois qu'il y a en fait le gouvernement civil, les gens veulent lui faire un coup d'État? Comme je l'ai dit tantôt, les gens font différentes analyses sur cette question, mais ce qu'on doit retenir, c'est la mentalité qui a été donc enracinée dans l'esprit des militaires. Ils croient qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont mieux que les autres. Ils pensent qu'ils sont mieux que les civils. Ils pensent qu'ils sont dépositaires du pays. Et ils pensent que personne d'autre n'a le droit de gérer le pays, de conduire les affaires du pays. Ça, c'est le plus grand problème. On aura donc Excellence l'ambassadeur, mais dans l'entretemps, applaudissons pour l'orateur. Merci, honorable président. En ce qui concerne la cause de la crise au Soudan, je vais donc directement passer à l'essentiel. Le Soudan, c'est que le Soudan est un pays très très grand, très vaste, qui a beaucoup de frontières et qui a 9 pays voisins avant la sécession, mais après nous avons des pays. Et la zone du Soudan, notamment à l'ouest, c'est une zone où il y a eu des conflits très anciens. Il y a eu la guerre entre le Tchad et la Libye. C'était une guerre atroce au cours des années 80 qui ont ancré la culture de la violence et des armes. Et qu'il y a eu après la crise à Darfour, il y a eu encore la culture de la violence et la dissémination des armes. Donc l'Ouest est un pays connu, est une zone connue pour les difficultés. La guerre Libye-Tchad a beaucoup fait mal au Tchad et il y a eu des conséquences que le Tchad vive jusqu'à maintenant. Ensuite, il y a la crise au
Darfour qui a été influencé par la culture de la violence et des armes. Il y a également des problèmes d'environnement, il y a la rareté des ressources qui a conduit à des rencontres entre les cultivateurs et les éleveurs, et cela a aggravé la situation à Darfour. Il y a eu donc des conflits entre les différents groupes, ce qui a donné donc naissance à l'apparition de Janjaweed. Donc, il y a plusieurs facteurs qui s'entrecoupent. Et tout cela est basé sur la culture de la violence et la rareté des ressources. Il y a eu beaucoup de cela. We are listening attentively. It was the crash. Suivant attentivement, c'était la crise entre qui? Entre... Au Soudan, c'est les Zourga. Je peux traduire en fait les tribus donc arabes. C'est question de terminologie. C'est pas bleu, c'est pas bleu. C'est en fait les Noirs et les Arabes. C'est pas précis, mais les tribus donc originelles arabes. On a des tribus arabes, les tribus de Amanou. Qui on appelle les tribus africaines. Aussi, il y a un autre facteur, comme je l'ai dit. Gold and men, you see. Il y a eu des forces de mercenaires qui ont pu contribuer au conflit dans d'autres pays. Je ne voudrais pas les donner leur nom, mais vous le savez qu'il y a eu des conflits et une sorte de concurrence dans le cadre des sollicitations des mercenaires dans les pays voisins. Voilà, Soudan est un pays riche. Tout le monde voudrait mettre la main sur les ressources minérales. Voilà, il y a l'or, il y a un cartel d'or qui est là et les mains sont mises là-dessus. Je reviens à la situation politique. Voilà. Donc le Soudan est dans une situation dans une transition, comme je l'ai dit. Donc il y a eu donc beaucoup de problèmes politiques au Soudan. Il n'existe pas de parlement, il n'y a pas d'élection plutôt. Les gens ne sont pas d'accord sur le gouvernement de transition. Donc la situation est très sensible. Et tout cela affaiblit le gouvernement et les pouvoirs et institutions de l'État, surtout après l'apparition des forces rebelles. Donc il faudrait comprendre la situation au Soudan. Il y a eu des dynamiques politiques au Soudan qui sont différentes de ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a les forces armées qui doivent respecter le rôle qui doit être leur sans entrer, sans s'ingérer dans les affaires politiques. Donc il faudrait des réformes militaires et il faudrait dire que l'armée a un rôle qu'il doit jouer au lieu d'exercer le pouvoir. Et on ne doit pas exclure qui que ce soit du processus politique. Donc c'est un processus politique qui doit prendre en compte toutes les dynamiques politiques en cours au Soudan. Moi, je suis très content qu'il y ait une contribution africaine à la résolution des problèmes. Et je vous dis que nous saluons le rôle et l'initiative de l'Afrique au Soudan. Maintenant, le processus ou bien l'initiative que nous avons, c'est l'initiative présentée par l'IGA. Les trois chefs d'État sur Soudan, Kenya et Djibouti sont derrière cette initiative concernant les pourparlers. Donc, après avoir contacté le président du Soudan, a rencontré le président Burhan et le président et le Soudan sont d'accord pour accepter l'initiative de l'IGAD. Cette initiative est celle qui existe sur le terrain. Pour ce qui concerne des expériences passées, l'Union africaine n'était pas absente, elle était présente et elle faisait partie du mécanisme qui est une marque donc du tripartite.
il y a l'ambassadeur de l'Algérie qui représentait l'Union africaine dans le mécanisme. Il y a l'IGAD et il y a l'Union africaine et le Soudan. Malheureusement, le processus n'a pas permis de parvenir à une solution. Et par conséquent, il y a eu la guerre. Donc l'Union africaine doit revoir et réviser son rôle et sa manière d'intervenir au Soudan afin de mieux s'approprier le processus politique. L'expérience est là et il faudra qu'on revoie donc cette expérience. L'initiative Arabie Saoudite américaine. Madame, I don't know. The American, you cannot ignore the American. On ne peut pas ignorer les efforts américains. Ils sont impliqués et les États-Unis d'Amérique, l'Arabie, la Bretagne, la Grande-Bretagne et les autres. Il existait, mais cela, c'est Quartet n'a pas réussi, le truc tripartite n'a pas réussi. Donc voilà les expériences que nous avons vécues par le passé, mais il faut qu'on tire les leçons. Et donc, Monsieur le Président, nous avons besoin de revoir tout ce qui a été fait par le passé et le tenir en compte. Il faudrait qu'on prenne une décision très forte afin que nous puissions trouver une solution à cette crise qui n'est pas seulement nuisible pour le Soudan, mais ça peut être nuisible à tout le continent qui pourrait sombrer dans un conflit aux conséquences incalculables. Monsieur le Président, je vous remercie pour la solidarité et je remercie tous les pays qui nous ont aidés. Et je vous dis que donc nous sommes là, le Soudan est là, vous êtes là et toutes les interventions montrent que vous vous intéressez de manière très sérieuse à ce qui se passe au Soudan et vous avez des démarches pour trouver des solutions. Je remercie donc encore une fois tous les participants, notamment l'Algérie qui joue un rôle très important pour soutenir et aider le Soudan. Aussi bien les conflits actuels ou passés. Je remercie la Libye, Rwanda, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la République arabe saoudite de Maghreb pour leur solidarité très profonde envers le peuple soudanais. Et je pense que donc vous allez prendre une résolution très forte, une résolution qui va montrer tout l'intérêt que vous accordez au Soudan afin que nous puissions obtenir les résultats que nous escomptons sur le terrain. Et nous souhaitons la bienvenue et nous saluons toutes les initiatives qui seront prises dans ce sens. Merci, Monsieur le Président. Le représentant des commissaire des affaires politiques, paix et sécurité. Je n'étais pas là hier, après-midi. On doit se rattraper, vous devez vous rattraper, parce que le report que j'ai reçu ce matin, il y avait des observations sur votre performance. C'est l'occasion maintenant de vous rattraper et de faire que tout le monde puisse être en même de suivre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorables membres du Parlement panafricain, mesdames et messieurs, hier, j'ai fait ma présentation en français, en anglais. Je m'excuse. Commissaire, je pense que c'est important que vous sachiez ça. Monsieur le Président, j'ai pris en compte les défis. Auxquels vous êtes confrontés en ce qui concerne ma présentation. Comme je l'ai dit hier,
au niveau technique, je n'ai pas eu l'occasion de partager avec vous ce dont vous aviez besoin de ma part. Monsieur le Président, honorable député du Parlement panafricain, je respecte tout à fait l'Union africaine en ce qui concerne son attitude vis-à-vis de cette institution, parce que c'est un organe important pour l'Afrique. Monsieur le Président, il n'y a pas d'autres institutions qui sont aussi importantes que celle-ci. Elle a une certaine crédibilité. Je pense que le Parlement panafricain, en tant qu'organe, doit envoyer les députés en mission, les gens qui sont capables et qui sont capables de faire la différence. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit hier, quand on est délégué au niveau institutionnel, on voudrait savoir s'il y a des problèmes avec l'interprétation. Il y a des contraintes. D'une part, il y a le problème au niveau de la délégation. Les délégués peuvent avoir des contraintes en ce qui concerne les décisions qui doivent être adoptées, qui ne prenaient pas en considération certains éléments. Nous devons en fait reconnaître la crédibilité de notre institution et ceux qui travaillent au niveau de la commission, comme moi-même. Dans ce contexte, je souhaiterais que vous soyez en même d'avoir l'effectif au niveau de l'Union africaine qui peut travailler dans n'importe quel domaine. Donc ça doit être clair pour le Parlement panafricain. Hier, ma présentation a été faite en français et en anglais, et j'ai mis l'accent sur les questions donc au niveau national. Donc hier, j'ai fait allusion à la situation régionale, mais maintenant je vais mettre l'accent sur les questions spécifiques. Il y a des questions spécifiques qui doivent être donc examinées et qui sont la cause des conflits. Nous avons certains points, éléments qui doivent être pris en considération comme cause profonde des conflits. Je ne vais pas parler du Soudan, je vais parler de l'Afrique. Nous avons des problèmes politiques. Il y a donc des partis politiques qui dominent et qui oppressent d'autres partis politiques. Voilà l'une des causes. Le problème de l'opposition qui n'a pas de possibilité ou des moyens de travailler dans un pays. Ils n'ont pas accès à la presse, à la télévision, et les membres de l'opposition sont emprisonnés parce qu'ils ont une expression libre d'opinion en tant qu'opposition. Et nous avons remarqué l'injustice, le problème donc d'intimidation vis-à-vis de l'opposition pendant ou avant les élections. Ici, je parle des causes profondes qui sont à la base des conflits en Afrique, le problème d'inégalité dans la répartition des revenus. Il y a par exemple des membres de partis politiques qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès aux ressources, et le gouvernement décide qui sera en mesure d'avoir accès aux ressources. Il y a le népotisme, la monopolie économique
Et il y a aussi le problème d'inégalité dans la redistribution des revenus et donner l'occasion à ceux qui en ont, qui méritent et ceux qui ont besoin de ces ressources n'ont pas accès. Et j'ai remarqué aussi que quand il y a, quand les groupes ethniques, donc les groupes ethniques majoritaires oppriment les groupes ethniques minoritaires. Donc il y a des conflits. Honorable Président, je ne voudrais pas faire allusion à d'autres causes de conflit. Je crois que j'ai essayé de répondre à la question, mais pour terminer ma présentation, nous avons parlé de faire taire les armes, mais nous sommes allés de 2020 à 2030. Ça, c'est une question importante. En tant qu'expert au niveau du Conseil de paix et de sécurité, faire taire les armes en 2020 était défini, mais maintenant on parle de 2030. Et on n'a pas respecté les mécanismes qui étaient définis pour faire taire les armes en 2020 et les conflits donc continuent. Monsieur le Président et membre du Parlement, nous avions discuté de cette question au Conseil de paix et de sécurité. Nous avons essayé d'arrêter ces conflits en Afrique. Et chaque jour, il y a de plus en plus de conflits. Et comme je le disais, je sais que je ne voudrais pas aller dans le détail parce que si je vais dans le détail, on risque de quitter ici à 9 heures du soir. Donc je dis ceci parce que je sais que j'ai été présent dans différentes réunions pour parler de la paix de sécurité et dans le contexte de l'Afrique. On ne peut pas prendre en fait la situation donc de cette question en peu de temps. Maintenant, on cherche d'autres mécanismes, Monsieur le Président, pour voir si on peut les États en conflit peuvent donc coopérer en tenant compte des contraintes et trouver des voies et moyens pour donc mettre fin au conflit d'ici 2030. Maintenant, il y a encore, il nous reste 6 ans, on n'a pas pu arrêter la situation de guerre en Afrique. Il y a une autre question, Monsieur le Président, pour terminer. Nous avons parlé d'intervention en Afrique et hier, je ne voulais pas donner quelques détails là-dessus. Il y a eu des accords signés entre l'Union africaine et l'ISC. Ça a été révisé par le Parlement en 2020 à 10 en ce qui concerne la coopération et collaboration entre l'Union africaine et les CER. Et donc c'était mis en second plan et l'Union africaine ne pouvait intervenir dans une région. Mais on s'attend à ce qu'il y ait des changements. Et c'est important. Nous devons voir comment trouver de solution à ce problème. Nous devons inviter l'Union africaine et lui demander d'intervenir. J'espère que cette auguste assemblée va comprendre cette question de subsidiarité. Si l'Union africaine voit qu'il y a une menace dans ce contexte et qu'il n'y a pas de solution au niveau de la région, au niveau de CER, nous pouvons intervenir, mais ça doit se faire à travers une décision du Conseil de paix et de sécurité ou du Parlement. Le Conseil de paix et de sécurité, c'est le seul organe qui sera en mesure de faire la différence quand un pays est menacé. Donc il y a
l'assistance extérieure. Que faire? Nous sommes en train de tout simplement suivre vos instructions. Quand il y a intervention par rapport à certaines contributions par le bien de l'État, je pense évidemment c'était évidemment une intervention avec évidemment la Palestine. Et je vous donne les informations pour que vous puissiez en avoir en votre possession. Honorable Patrick. Infiniment merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avec tout le respect que nous devons, ce monsieur devrait bien évidemment nous donner davantage d'informations, sur ce que le département paix et sécurité est en train de bien évidemment faire, pas nous poser des questions sur ce que nous sommes en train de faire. Nous avons bien évidemment cette croyance que évidemment dans l'UE il y a un département en charge de toute cette question, de ces questions, savoir qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là, qu'est-ce qui a été proposé, et après on va agir pour les solutions. Il n'est pas là pour nous faire des cours, nous poser des questions sur ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qu'on devrait être en train de faire, Monsieur le Président? Merci infiniment. Another point of order. Motion d'ordre, professeur. Motion d'ordre. Je suis de l'avis selon lequel que il a été dit d'une manière très claire que nous avons besoin d'avoir des informations de la part de l'honorable ambassadeur et des différents collègues. Quelles sont les causes profondes et ce dont j'ai pu saisir et appréhender. Il s'agit évidemment des causes profondes que Patrice Lumumba et Kwame Nkrumah ont pu identifier en 1963. Il y a le tribalisme, le régionalisme et aussi le séparatisme religieux. Ce sont là les mots. Votre micro, s'il vous plaît. Alors, la question est celle-ci, de ce fait. Besoin, il y a toujours de bien comprendre qu'est-ce qui va te faire pour évidemment balayer, chambouler ce démon du tribalisme, ces mots qui nous hantent, régionalisme et autres. Et ce sont les causes profondes. Alors, à moins qu'on puisse évidemment saisir tout cela à bras-le-corps, toute question par rapport à, évidemment, à l'aide humanitaire de l'Arabie Saoudite et aussi tout autre problème et des arrangements sécuritaires, on ne va pas ici évidemment balayer tout ce qui est régionalisme, intolérance religieuse et autres. Je ne sais pas, que faut-il dire? Est-ce que je vais vous donner une instruction? Est-ce qu'on va peut-être nous arrêter ici, mettre un terme? On voudrait bien continuer, mais nous dire quoi? Mais j'aimerais dire ceci, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord, donnons-lui la parole. Est-ce qu'il faut continuer avec cette communication ou encore arrêter? Avant cela, je ne vous donne pas la parole, on va lui poser la question de savoir. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire alors, au regard donc de toutes ces questions, honorable membre, je voulais bien terminer certaines recommandations. Non, nous avons une difficulté. Vous n'avez pas parlé du Soudan? Non, j'en ai dans mes documents. Non, vous avez choisi d'agir d'une manière générale par rapport au conflit. Ce que vous avez dit, ouais, tout ceci est dans des bouquins. Vous avez parlé des causes profondes, le tribalisme et autres. C'est dans les textes, dans les livres, dans les bouquins. Vous êtes un expert, vous êtes un praticien. Vous êtes à Addis Abeba. Vous devez nous dire, alors, quand la guerre a surgi, qu'est-ce que le département paix et sécurité a fait? Où vous en êtes? Quels sont les moyens que vous avez pu mettre à disposition? Quelles sont les propositions? Comment le pape va venir intervenir et jouer sa partition? Vous avez la parole. Finiment, merci. En matière, donc, évidemment, de la guerre au Soudan, le département
département paix et sécurité de l'Union africaine. Département paix et sécurité du CPS a convoqué une réunion le 16 avril en 2023. Il y avait évidemment un communiqué évidemment qui a été pendu par rapport à ce sujet-là et demandant donc aux parties en conflit de bien chercher à avoir un accord concernant donc le dit conflit. Le CPS, le Conseil de paix et sécurité, a pris décision à cet effet que le président du comité des partis en conflit, est-ce que c'est une déclaration par écrit? Et ils sont venus, vous, où vous les avez rencontrés? Mais on ne comprend pas. Il y avait une invitation de demande des partis au conflit. Qu'est-ce que ça dit? Expliquez-nous. Monsieur le Président, aux membres ici de mon Parlement, hier, je suis intervenu et j'étais clair dans mes termes. Monsieur le Président, vous n'étiez pas peut-être là, mais je ne parle pas anglais. Je suis en train de dire ceci. Ma présence en cet hémicycle, c'est de bien parler de la situation de la paix et sécurité en Afrique. Oui, mais pour vous tenir informé, ce que nous sommes en train de faire au niveau du Conseil paix et sécurité, département affaires politiques paix et sécurité. Dans cette perspective, j'ai donc fait une communication hier. Le panorama de toutes les cinq régions, de la perspective de la paix et sécurité. J'ai dit que je ne pouvais pas aller en profondeur parce que j'avais certaines restrictions. Et cette occasion, évidemment, qui m'a été donnée, j'ai pris une recommandation que le commissaire paix et sécurité, M. Bankole Ayodé, viendra ici, va évidemment vous parler de tous ces faits. Vous parlez du Soudan. Il y a un communiqué. Qui a été fait le 16 avril 2023, communiqué en provenance du Conseil de sécurité sur le Soudan. Et le communiqué est disponible pour partout, le site internet de l'UA. Et nous sommes dans des pourparlers à l'interne concernant le Soudan. Et je pense que, Monsieur le Président, par rapport évidemment à ce point de subsidiarité, l'IGAD est en train de bien travailler sur sa situation au Soudan. Et je pense qu'on ne doit pas s'arrêter ici. Le commissaire viendra, il sera disponible, comme j'ai dit, pour vous donner toutes les informations concernant la situation au Soudan. Ça sera nécessaire, j'ai pris bonne note de cela. Parce que les recommandations qui ont été formulées, et c'était dit, il doit avoir évidemment une réunion sur la paix et la sécurité avec cette assemblée. Oui, c'est une recommandation qui a été prise de concert et faire de sorte que tout le monde va se réunir, de voir comment, de concert, on va évidemment organiser cette réunion avec la division paix et sécurité de l'UNFPA. C'est évidemment cette recommandation qui s'insérera dans mon rapport. Merci beaucoup. Je crois bien savoir que le secrétariat a bien enregistré ici les travaux, les différents débats concernant le Soudan. On a besoin, bien évidemment, qu'on ait bien évidemment tout ce qui est comme éléments, tout ce qui est débat, échange. Par rapport à ces enregistrements, on va voir ce qui est pratique, ce qu'on peut retenir pour le travail. La réunion paix et sécurité en Afrique, en l'occurrence la situation sécuritaire soudanaise. Oui, nous sommes ici. Le problème, c'est que nous débattons des questions d'une manière générale. On n'est pas tellement spécifique. Et oui, je crois, ceci vient de cet hémicycle. Le cas soudanais est une urgence. Il faut qu'on puisse agir de cette sorte.
les femmes, les jeunes sont affectés. Oui, vous avez vu dans le groupe, vous avez vu cette femme sur une âne avec l'enfant. Vous voyez, dans de tels conflits, les femmes en pâtissent vraiment. Et nous sommes accordés sur cette question. Mais la problématique d'intervention extérieure, l'Amérique et l'Arabie Saoudite, c'est une leçon aussi pour l'avenir, en ce qui nous concerne, aussi en tant que député, encore parlementaire, de toujours soulever cette question. Nous devions nous approprier des différents processus. C'est ce qu'on devrait donc s'atteler. Peut-être il faut que nous puissions apprendre, hein, apprendre de votre part ce qu'on peut faire. Et bien non, vous voyez, c'est dans les vous voyez, les militaires, souvent ils vont dans les casernes et autres. Et voilà, il y a un peu de désordre parce que, mais vous voyez, à Khartoum, c'est comme c'est l'Amérique qui bombarde l'Irak ou l'Afghanistan. Ça n'est pas une situation qu'on a l'habitude de voir. Mais vous remarquez bien évidemment que ici, c'est différent. La semaine prochaine, qu'on va prendre résolution, essayer de penser, de réfléchir, qu'est-ce que nous allons faire en tant que Parlement panafricain sur cette question. Peut-être qu'on n'a pas des ressources disponibles, mais avoir quand même des idées et proposer des bonnes idées sur ce. Je crois que nous sommes arrivés donc au terme de ces débats. En matière, en venant plutôt à notre ordre du jour, on devrait donc aller sur le débat sur le rapport sur le groupe des femmes. Quelle heure est-il? Il est moins 20. Alors si on peut maintenant décortiquer ce point, il y en a qui déjà sont fatigués, il y en a qui ne pourront plus être en capacité d'aller à la mosquée, c'est vendredi, alors soyons un peu plus concrets et très réalistes par rapport donc à tout ce que nous devons faire. Mais il serait tout simplement juste qu'on marque une pause, et on va ce rapport tout simplement sera soumis la semaine prochaine. L'année prochaine, plutôt la semaine prochaine, on va donc débattre cela comme cela se doit et on n'aura pas besoin d'être à la hussarde. Allez manger, on va marquer la pause. Quand on va nous rencontrer, on va rentrer en plénière le lundi. Lundi, il y aura les commissions. Les commissions se rencontreront, on va vous dire quelles seront les questions à débattre. Les plénières vont reprendre évidemment le mardi après-midi. Le lundi, il y aura les commissions, questions relatives au budget. Chaque commission devrait donc repartir, revoir la copie par rapport donc au budget qui sera soumis dans le comité des commissions finances. Nous avons quelques soucis. Il faut que j'annonce aussi, hier, il était tout à fait clair que le COREP, le COREP ne comprenait pas qu'est-ce que fait le Parlement. Et tout ce que vous écrivez dans le budget, on dit que c'est des double emploi avec tous les autres organes. On ne comprend pas. Ils ne comprennent pas que dans vos parlements nationaux, une commission à titre de discrétion, commission de commerce, mais le ministre de commerce, vous avez la commission sur ceci, et après vous avez aussi la commission. Mais déjà, ils disent qu'il y a déjà une autre unité, une division qu'il fait. Ils disent que c'est le double emploi. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, que évidemment, vous êtes là, vous travaillez de concert sur le ministère. Il faut vérifier, superviser, contrôler ce que fait ce ministère en cette commission. Il est important donc de bien revoir les budgets, commission par commission, pour que les choses soient très bien claires et bien comprendre. Voilà, quand on parle de l'ASDECAF, non, il ne s'agit pas du pape. Il s'agit de. Non, si par exemple, on propose qu'on va travailler sur la ratification des instruments de l'UA, ils diront non, il s'agit de l'actualité du conseiller juridique. Voilà, alors hier, il y a un distinguo. Il s'agit des parlementaires, il y a le Parlement, mais en ce qui concerne, non, c'est des doubles emplois, et ce qui se passe, voilà, mais ce qui se passe n'est pas vraiment intéressant. Par conséquent, chaque commission va peut-être aller en profondeur expliquer pourquoi la commission de la santé, ce qu'ils veulent faire, c'est peut-être travailler, notre travail est de la supervision. C'est le contrôle budgétaire. Il faut bien comprendre qu'on parlait de la santé, du commerce. Nous sommes en train de bien jouer notre supervision. Nous ne sommes pas en train, évidemment, d'exécuter les mêmes tâches. Non. Alors, lundi, il s'agira donc des commissions
jeter un regard sur les différentes commissions qui vont requérir des fonds. Ils ont déjà financé d'autres, évidemment, organes. Et ils disent non, on ne peut pas financer le pape sur une telle activité, financer notre organe pour tel nom. Le lundi, on aura la réunion de commission pour bien réaliser cela. Et le mardi, on va repartir donc dans nos réunions en plénière. Ça sera donc mardi à 14h dans l'après-midi. L'ordre du jour vous sera donné. Lundi, on va vous tenir informé. Qu'en est-il par rapport à la réunion des commissions et la sous-ordre? Merci infiniment. On va donc maintenant lever la séance et donc on va revenir en plénière le mardi. Je voudrais passer quelques annonces, Monsieur le Président, avec votre permission. Oui, il est prévu cet après-midi de 14h à 18h les réunions des commissions suivantes à leur demande. Il y aura une réunion conjointe de la commission économie rurale, agriculture, ressources naturelles et environnement avec la commission en charge des finances et des affaires monétaires dans la salle de commission numéro 3. Et de 15h à 18h, il y aura la réunion de la commission, toujours commission finances, dans la salle de commission numéro 1. Ces réunions sont à la demande des commissions concernées. Merci. C'est fini? Voilà, vous avez fini, oui. Alors, le 14h, mardi, en plénière, aujourd'hui, les commissions cet après-midi, demain, lundi, les commissions, la séance est levée.